Mec, ça marche là. J'en étais sûr. C'était le PC, c'est une blague. Bon les gars, bonjour à tous. Enfin, re, c'est qui était là tout à l'heure. Ah, je suis désolé. Bon, du coup, on recommence comme si c'était un nouveau live. Donc, on a fait 10 minutes de live, ça a bugué complet. YouTube était mort, ça a pas marché. Je n'ai même pas compris ce qui se passait. Bah, du coup, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. J'ai modifié le live pour que du coup il y a un peu moins de décalage et que ça bug pas. Je pense que c'est parce que j'ai mis peu de décalage, donc c'est peut-être pour ça que YouTube a déconne. Donc bon, vous me direz, je suis encore en orange, hein. YouTube dit que je suis en orange encore, on va essayer de voir que ça fonctionne. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien, on va mettre un peu de musique quand même pour commencer. On va remettre les pouces bleus, etc. Bienvenue à tous, je sais pas, vous êtes déjà 600, bon, ok, bonjour à tous, bon. Je suis désolé les gars. Bon alors du coup, on va remettre le chat, on va remettre tout ce qu'il faut. Donc ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va tester le jeu Planet Coaster, qui est un jeu du coup, en vrai c'est un jeu où c'est que tu dois faire un parc d'attractions. Il y a Planet Zoo et il y a aussi Planet Coaster, on va tester ça. Deux secondes, le chat c'est ok. Je mets juste le nombre de petits pouces bleus et on va être bon. Attendez, clac. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien les gars? Je regarde depuis mon tracteur. Ah nice. Bon on va dire que c'est... si on regarde c'est que ça fonctionne déjà, c'est bien. Du coup, j'ai accompagné de Borum au passage. Bonjour Borum. Oui, salut, salut. Il n'y a pas de bug. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de bug. Pour nickel. Pour le moment, il n'y a pas de bug. Pour l'instant, ça va. Attendez, je mets juste le nombre de viewers qui sont là. Hop. Et ben écoutez, on va relancer le jeu. Hein. On va relancer le jeu. Du coup, j'ai pas sauvegardé. Hein. J'ai quitté le jeu en mode. Du coup, j'ai redémarré mon PC vu que ça a bugué. Bon, et ben attends, juste. On va attendre ce jeu. C'est parti. Let's go. Attendez, il est où le jeu? Bim, bim, bim. Vous voyez pas l'écran, deux petites secondes. Heureux ceux qui sont là et bonjour à ceux qui viennent d'arriver, les gars. Logiquement, ça devrait moins bugger. On est parti, on lance le magnifique jeu qui est donc Planet Coaster, qui du coup est ton jeu de construction de panneaux. Non, pas panneaux solaires, de construction de parcs d'attractions. Allez, go. On lance. Du coup, ouais, j'ai mis ma caméra là. Qu'est-ce qu'il y a? De panneaux solaires, oui. Oui, bien sûr. Comment ça va depuis 5 minutes? Commencez pas à dire bug, ça va pas le faire. Non, ça bug pas. Vas-y, go, on lance le jeu. On est parti. Le jeu, non, il est pas gratuit, mais il vaut beaucoup. Enfin, il a une grosse réduction. Donc voilà. Très fluide. En vrai, le jeu c'est hyper fluide. Le jeu il pense, hyper. Heureusement qu'il est fluide parce que bon. Allez, pour le moment. Pour le moment. Tu verras plus tard. Du coup, je pensais, est-ce qu'on se ferait pas du coup le mode. Tu sais, le mode carrière pour au début apprendre le jeu. Je sais pas si au début nous explique. Parce que s'il nous explique, autant faire le mode bac. Reprendre. Je sais pas. Attends, je vais juste regarder deux secondes. Attends, père, je vais faire jouer. Carrière. Lancer dans une carrière. Gestion de parc de relever des défis. En fait, non, carrière, il y a juste des défis en fait. Ah non, vidéo d'initiation. Ah, mais ça me lance YouTube voilà. En fait. Alors, attends, tu as. Ça, c'est mon personnage en fait. Il est où mon perso? Voilà, regardez mon personnage, il est beau. Je l'ai écrit tout à l'heure en live. Soit t'es en carrière, soit t'es en bac à sable. Non, mais du coup, bac à sable. Bon. Bon, du coup, je compte sur vous. Hein. Je compte sur vous pour me dire du coup qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas en avant. Donc, reprendre. On va reprendre notre monde. Hein. Donc, j'avais commencé vite fait à faire une route qui était d'ailleurs même pas droite. Et ça va le faire. Bon, bonjour à ceux qui viennent d'arriver, les gars. J'espère que vous avez passé une bonne journée et tout, que tout va bien pour vous. Je sais pas à cause de quoi, mais moi perso, mon jeu crache à répétition. Ouais, mais c'est bizarre. Bonjour à ceux qui... Bienvenue aux 700 personnes, bienvenue à tous. On était 1600. Alors, regardez mon parc. Alors, avouez qu'il est stylé. Bon, il n'y a rien, mais il est stylé. Donc là, du coup, on a le parc s'appelle Starland. On l'a... Oh, regardez comment ça clignote. Donc en gros, ça, c'est mon attraction que j'ai créée. Donc en gros, voilà, vous arrivez. Bonjour à tous. J'espère que ça va bien. Bon, pour l'instant, c'est vide. On mettra tout le reste. On mettra des panneaux. Enfin, on mettra des trucs. Enfin, vraiment stylé. Donc voilà, mon parc, il est au milieu de nulle part. Donc voilà. Alors, bon. Attends, allez, faut que j'apprenne avec les commandes. Voix. Attendez, on va y arriver. Tac, tac, voilà. J'ai mis du coup un distributeur de billets parce que il faut de la thune. Il faut que les gens. La thune. Il faut que quand les gens arrivent, ils aient de l'argent. Oh, le jour se lève. Oh, magnifique. Regardez, c'est le matin. Donc, regardez, bilan moins 17 euros. Oui, parce que logiquement, je perds de l'argent vu que j'ai rien qui rapporte. On est bon ou pas là? Pourquoi je suis en x 12 000 le temps là? C'est normal que le temps s'avance, Brom? Oui. Oui. Bah oui. Est-ce qu'il y a de la musique par contre? Tu peux mettre le jeu en pause, hein. T'as le petit truc pause après. Ah bah mettre le jeu en pause, parce que ça sert à rien que le temps avance, parce qu'on a rien qui rapporte. Bah juste mettre un petit peu de musique quand même pour se mettre dans l'ambiance, parce que mine de rien, il faut qu'il y ait de l'ambiance, sinon c'est tout mou. Et du coup live. Et du coup j'ai pas du tout compris pourquoi YouTube a bugué. Vraiment j'ai pas. Et c'est en fait ça, mon encodeur a bugué, j'avais marqué 0 en mode ça envoie plus rien. C'est bon ou pas? La musique elle est partie. Let's go. Bon, on est de retour. Du coup je compte sur vous pour me dire qu'est-ce qu'il faut faire, hein. Re à ceux qui sont là, rebonjour à tous. Donc, ce qu'on va devoir. Ce qu'il va falloir faire. Donc, oh, c'est qui lui? Oh, on a un monsieur! C'est qui ce gars? Guichet de l'attraction. Oh, d'accord. Il y a un monsieur. Et bah oui, mais du coup, l'attraction pour l'instant est fermée. Enfin, elle est fermée ou ouverte du coup? Grande roue, attraction fermée. On peut la tester. Non, environnement.
Ah, faut faire de l'environnement dans la file d'attente, sinon les gens ils vont pas aimer. Ok. Bon, déjà, on va refaire une route pour. Parce que l'entrée d'attraction est ici, il faut faire une sortie. Donc la sortie, on va en refaire une déjà de base qui va rejoindre une route en fait qui va faire comme ça. Hop, bim. Là, on revient comme ça. Attendez. Pour l'instant, on va pas faire des routes droites parce que mes routes sont pas droites en fait. Genre, tu sais, c'est un peu tordu. Voilà, on a repéré comment on a pu. Merci beaucoup, Clé-Clé, pour ton don de 5 euros. Merci à toi. Même si j'avoue que je comprends pas comment tu fais des dons vu que le live est une qualité extrême. Mais voilà, tout va bien. Oui. Oui, merci. Merci, Clé-Clé. Donc voilà, alors, il faut qu'on décore. Ils ont dit, il faut décorer sinon ça va pas. Une allée délimitée par de petites barrières. Non, en fait. Non, pas de barrière. Je veux des arbres. Alors, c'est où les arbres ? Il y a des environnements. On va mettre des petits arbustes. C'est où ? Ah, c'est là, ok. Alors, acacia. Viens, on met des acacias partout. Ouais, il faut de l'ombre. Hein. Les gars, on décore. Hein. Ça part en full déco. Hein. Ah, ouais, les gars, ça part en décoration. Des petits acacias. Un petit acacia par là. Un petit acacia par là. Et un petit acacia par là. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau en décoration ? On a des qu'est-ce que c'est ça ? Au vent de pique-nique, ok. Barrière avec le go. Bah, on fout une barrière ou pas là ? Non, ça sert à rien. Non. Oh, attendez, c'est quoi ça ? Fontaine ! Oh, on met une fontaine ! Il faut que ce soit hyper. Si c'est vide, c'est nul en fait. Faut pas que ce soit vide. Il faut que notre parc soit d'une beauté extrême. Donc, on va mettre un petit. Ouais, mais ça fait moche ici, non ? Peut-être ça, on le mettrait plutôt vers l'entrée. Hein. Vers l'entrée, en mode vraiment, c'est la décoration de l'entrée. C'est magnifique. Dans le coin ici. J'ai une idée. Dans le coin ici, comme ça on fait aussi une route qui passe sur le côté. Je montre avec mon doigt, vous voyez pas. Mais du coup, comme ça on fait une route qui passe ici. Alors, non pas une allée comme ça, une allée en route. Hein. On reprend la route comme tout à l'heure. Comme ça. Oh là là. Et là, vous allez voir, on va mettre plein de choses ici pour acheter, on va mettre des bancs, on va mettre plein de trucs, les gars. Merci, Clé-Clé. On pourra se parler sur Discord. Alors, on pourra se parler sur Discord. Voilà, oui, si tu veux. J'attendais l'alerte en fait. Non mais en vrai ouais, je passerai sur Discord, y a pas de souci. Donc mon attraction est liée. Est-ce que ceux qui s'y savent, ceux qui connaissent, qu'est-ce qu'il faut mettre pour que ça se passe bien en fait? Parce que là j'ai mis une route, mais je crois qu'il faut que on. Attendez, je vais resélectionner l'attraction. Ils disent quoi? Ah, je suis à 9%. Ok, j'étais à 0%. Il faut qu'on boutique, mais pas même pas de boutique dans environnement. Un bâtiment peut-être? Peut-être un petit bâtiment, non les amis? Un bâtiment peut-être pour. Vaisseau, abreuvoir, mais mec, c'est pas des. Non, pas un abreuvoir. Non, peut-être des bancs. Les bancs, c'est où? Tu sais où c'est que c'est les bancs? Toi, c'est nature. Dans... Environnement, je dirais. Ouais, c'est dans environnement. Écran. Oh, écran fou. Oh, mais un écran. Écran de projection. Support écran. C'est dans environnement et puis t'as aller. Enfin, t'as un truc. Ah non. Ouais. Décor. Non, c'est pas là. Nature. Bah, nature, ouais, mais après, qu'est-ce qu'on fout en nature? Y a du boulot. Je vais mettre des arbres partout, mais c'est pas ce qui va faire le mieux, quoi. Oh, alors là, les amis, on fout ça partout. Hein. Moi, oh, tout le long, je suis... En plus, les amis, vu qu'on est en partie... on est en partie... Enfin, en gros, on n'a pas d'argent. Donc, attendez, comment ça se passe? Non, vaut mieux qu'on fasse comme ça, que les gens voient l'herbe. Attendez, mais je suis en l'air ou pas, là? Non, mais non, je peux mettre un truc en l'air. Attendez, comme ça? Moi, j'aurais dit comme ça. Hop. Un petit truc là, comme ça. On teste, hein. On teste, les amis. C'est pour m'aider dans le farming, parce que comme ça, ça m'aidera à faire un truc stylé dans le farming. Je vous garantis pas que ça va m'aider, mais on va essayer. Hop. On décore là, un petit peu. Tes pots de fleurs, c'est des pots de fleurs. Enfin, c'est des trucs qui doivent aller aux fenêtres et tu les mets. Oh merde. Oh non. Ah oui. Oh non. C'est pour mettre aux fenêtres. Ah mais non. Je me suis trompé. Bon, faut les dégager. Mais c'est bon, je savais pas. Bon. Mais du coup, on met quoi alors? Faut mettre. Bon, pire pour l'instant, c'est pas grave, hein. Lierre, lupin. On met des lupins. Je sais pas si. En fait, les lupins, ça se met où? C'est dans quoi ça normalement? Je sais rien moi. Non, ça fait moche. Faut pas mettre trop en fait. Et je sais pas, niveau décoration, en vrai, je suis vraiment nul. Si t'as construit ta propre montagne russe. Ouais, pour l'instant, on va se calmer. On va faire comme ça. Bon, père, décoration. Est-ce que c'est vraiment important? Ah non. Jardinière de balcon. De balcon. Ouais, une jardinière. Petite jardinière, c'est ça? Narcisse. Jardinière, ça, ça va. Pensée. On fout des pensées? Non. Petit palmier. On n'est pas non plus à l'Amazonie quoi. Au pire, on va mettre juste. Allez, tu sais quoi, on en fout une là, une autre là, et puis si c'est pas content, ils iront voir ailleurs. Hein. Pas me casser les gueules. Allez, hop, on met des petites plantes ici. Là, voilà, là on est bon. Vous êtes content, c'est fleuri. Non, en vrai, après, c'est vrai, ce qui demande le mieux, c'est d'avoir de l'ombre. C'est ce que les gens, enfin, c'est le mieux. Allez, extra. Oh, oh. Au vent de pique-nique.
Banc, ben voilà, il faut mettre des bancs. On fout des bancs à gogo parce que les gens doivent s'asseoir. En vrai, le jeu, il faut vraiment prendre bien ça en compte parce que sinon, banc élégant. Bon, on va pas se faire chier, mais un banc normal, non? Un petit banc là. Un banc qui regarde l'attraction. Ah ouais. Attendez, on va mettre un banc comme ça. Un petit banc par là. Un petit banc là. Alors, peut-être pas non plus trop, mais. Est-ce que ça fait pas glauque là, de se regarder dans les bancs? Un mec, vous êtes en face des bancs. Non, plutôt comme ça alors. Un banc comme c'est... ça alors. Ah, comme ça alors, comme ça. Ok, donc là on a mis des bancs. Est-ce que là ils disent que c'est un peu mieux? Je suis à 14% encore, c'est pas ouf. Hein. Bon, au pire, c'est pas grave. Hein. C'est quoi? Test. Alors, enthousiasme. Au pire, on fait un test. Commencer le test. Ok. J'ai commencé le test à l'attraction. Mais du coup, on peut tester, on peut voir. Prix du billet. Bon, attendez, du coup. Bénéfice depuis l'ouverture. Bon, bah, du coup, on a perdu de l'argent vu que c'est ok. Couleur de l'attraction. Gestion. Temps d'attente 60 secondes, OT, activer les passes prioritaires. On peut faire des passes prioritaires. Bon, pour l'instant, bah, vu qu'il y a personne, il n'y a pas de prioritaire, donc c'est nul. C'est quoi ça? Caméra à l'attraction. Oh. Siège. Attends, et du coup, est-ce que c'est en route là? C'est quoi ça? Ah, mais du coup, l'attraction est en route ou pas là? Elle est en test. Mais on voit que ça. Test, et puis quand le test est fini, tu pourras l'ouvrir. Ok. Ah oui, il y a quelqu'un là. Vas-y, test. C'est qui celle-là? Est-ce qu'on peut la virer, tu penses? Nico est trop chaud sur ce jeu, mais il joue à l'ancien. Ouais. Bon, bah écoutez, du coup, là, bah, on a notre première attraction qui est créée. Bon, clairement, elle est pas faux-folle, mais au moins, voilà. Bienvenue, vous êtes. Merci pour vos pouces bleus, en tout cas, c'est grave plaisir. Merci aux 1000 personnes. Bon, bah du coup, à ce test. Hein. Donc, ce qu'on va faire maintenant, est-ce qu'on voit un peu l'état du parc? On peut voir? Bah voilà, gestion du parc. Bah voilà. Alors, visiteur adulte, bah au pire, on peut commencer à l'ouvrir le parc ou pas? Pour l'instant, au pire, on entend un petit peu. Employé. Ah, il faut des employés. Il faut quoi? Attends, bah, technicien de surface, veille à la propreté. Ah, mais faut en mettre, hein. Ah, mais carrément. Ah, oui, les gars, allez au travail. Il faut aussi des bâtiments des employés. Il faut aussi un bâtiment des employés. Ah, oui, mais sinon, ils dorment où, c'est vrai. Ouais. Attends, il faut mettre tous les employés. Donc, un mécanicien pour réparer si l'attraction se casse. Donc, on met un mécanicien déjà pour commencer. Oula, pourquoi il est en l'air? Ah, parce que je suis en pause, c'est vrai. Et là, si je mets play, hop, tout se part terre. Ah, mais oui, c'est pour ça que. Attends, mais c'est normal que ça avançait pas. Parce qu'en fait, j'étais en pause. Oh, ça fonctionne. Oh, je veux voir. Oh, regardez alors. Oh, trop bien. Attendez, on peut voir, vu du parc, qu'est-ce qu'on voit de l'attraction? On voit pas grand-chose, hein. Ah si, attendez. Oh. Ok. Oh, regardez, on voit notre parc. Oh, c'est magnifique. Bon, y a rien, hein, mais regardez, qu'est-ce que ça donne. Les gars, c'est fan de rat. Le problème, c'est qu'il faut que quand il monte, en fait, y a une vue de fou. Là, y a une fontaine, y a un mec qui a son balai, c'est pas ouf, tu vois. Mais sinon, en vrai, franchement, ça fait tellement, il me tarde tellement d'avoir tellement de décorations, des trucs de stylé de partout et tout. Bon, voilà, bah du coup, pour ça commence. Bon, elle est en test, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est quoi ça? Les gens ont peur à 1 et enthousiasme à 1,35. Bah, après, enfin, je veux dire, c'est une roue quoi. T'es pas en mode ouah! C'est une roue. Vous n'avez pas de bâtiment des employés. Oh, il faut en mettre un direct. Oh, maintenant, on a un bâtiment des employés, comme ça, ils peuvent se reposer. Ils se la coulent douce. Bah, le bâtiment des employés, il faut peut-être le mettre un peu plus loin, non? Genre un peu reculé, non? Je sais pas. Oui, pas forcément. Bon, on va le mettre là. Non, on va le mettre là, à côté du distributeur de billets. Donc là, j'ai mon bâtiment de sang. Il est à l'envers. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. Je crois que je l'ai à l'envers. Bah, du coup, c'est bon, il est ouvert. Donc c'est bon, il y a le bâtiment des employés. Les conseils, non, je garde. J'ai jamais mes conseils. Aide. Non, pas aide. Bah, du coup, c'est bon, bâtiment des employés. Les bâtiments des employés permettent aux membres du personnel de se reposer, à récupérer un dernier. Ok. Donc, attends, au niveau des employés, il faut qu'on en mette un petit peu plus. Agent de sécurité. Bah, on va en mettre un aussi. En tous les cas, pour l'instant, on sait pas nous qui gérons l'argent, donc on n'a pas de problème de les payer pour l'instant. Donc, on est bon. Vendeur, sert les clients des boutiques. Sauf qu'on n'a pas de boutique. Bah, on va passer une boutique. Bien sûr, il faut que les gens ils achètent. Il faut qu'on se fasse max de flouze. Alors, qu'est-ce qu'on a en boutique? On a la nourriture, bien sûr. Quand tu vas dans un parc, tu vas manger. Alors, amenez pas un petit McDo. Plein de coasters nourriture. Ok. Grande zone commerciale. Ouh, beaucoup trop gros. Attends, on peut voir la taille. On peut trier par taille. Filtre. Étiquette, pack. Non. Type, enthousiasme. Mais on s'en fout. Par nausée. Genre, ah oui, d'accord, tu vas au. Un truc de bouffe par nausée, d'accord. Boisson. Ah, peut-être à l'entrée des boissons alors. Mais comment on fait pour choisir des petits bâtiments? Parce que là, c'est des gros bâtiments. Hein. Personnalisé alors, peut-être. Ah bah au pire ouais. Distributeur de ouais, comics. Co. Ouais. Des toilettes, bien sûr, des toilettes. Habits, hein. Attendez les gars. Distributeur. On met des distributeurs. Ah ça c'est beaucoup trop gros ça. Distributeur de billets, extension de restaurant. Bah moi j'aurais pas voulu. Ah ça c'est. Ok donc distributeur de.
Ah, mais c'est des distributeurs de frites et tout. Bon, pour commencer, on met des trucs de boissons parce que les gens ils veulent boire en fait. Pip Shop, Street Fox, Coffee, du café. Parce que les gens, faut bien qu'ils soient. Voilà. Du café. On va plutôt mettre sur ces allées là. Là, c'est plutôt les allées, vous avez compris. Ici, c'est pour boire un coup, les amis. Attendez, hop. Ok, donc là, c'est le distributeur de café. Après, on met un truc quoi. Il y a du café. Après, un petit truc pour manger parce que les gens ils ont faim, bien sûr. Des frites, on met une friteuse, c'est magnifique. Des frites ici. Boisson, souvenir. Bon, des shots, il faut mettre des shots, mec. Ah ouais, 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 carrément. Ah, mais mec. Des shots. Ah non, de fou, mec. Alors, non, par contre, ouais, ouais, pour les toilettes, plutôt dans, avec des plans, non, il n'y a pas des. C'est les toilettes, ça? Attendez, hop, toilettes. Des toilettes stylées. Mais c'est gros! Western. Ah, c'est gros, hein, c'est gros, c'est gros, c'est gros. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme toilette? Bah, après, elle est normale, hein. Voilà, bah, après, c'est les toilettes, faut pas prendre. Enfin, viens, faut pas prendre un truc non plus, un vieux truc dégueulasse. Alors, les toilettes, du coup, on les met un peu plus sur le côté, genre vraiment, c'est loin. Enfin, loin, à cause de la file d'attente. Sans ça, ils vont être à la file d'attente, ça va sentir de la merde. Attendez, est-ce que nos toilettes sont payantes? Modifier le bâtiment, toilette bloc, nom total, sauvegarder. Ok, non, c'est gratuit, toilette, nickel. Bon, ben voilà. On a du coup nos toilettes, distributeur, premier secours. Bah, pour l'instant, on est bon, non? Je pense, hein. Ah, on a les visiteurs! Un de nos premiers visiteurs qui sont là. Bonjour. Monsieur Frites. Attends, comment il s'appelle? Christian. J'ai déjà vu des parcs plus grands et plus sympas. Bah, il vient de commencer. Ok. Est-ce que... Bah, attends, l'attraction, du coup, elle est en test. Non, attends, mais les gens rentrent chez moi, dans le parc, mais ils peuvent rien faire. Bah, si elle a fait un tour, clique dessus et mets-la en vert. Enfin, mets-la, ouvert. C'est bon, c'est ouvert. Ok, regardez. Mon attraction vient d'ouvrir, les amis. Mon attraction vient d'ouvrir. Bon, regardez mon petit parc, il est sympa. Là, c'est la sortie. Donc maintenant, on va créer du coup notre deuxième attraction. Attraction sur rail. On crée quelque chose pour les grands et pour les petits. Donc maintenant, parce que du coup, mon parc... Oh, mais ça, c'est gros, ça. C'est gros. Viens, les gars, on peut faire un karting. On fait un karting, les amis. Oh, c'est beaucoup trop gros, ça. Mais le problème, c'est qu'il faut commencer par des trucs sympas, non? Attraction sur rail, attraction normale. Oh là 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 là. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a? Un truc pour les enfants. Un truc pour les enfants. Un carrousel. Il n'y a pas un petit carrousel? Hyper chien. Ça c'est pour les enfants, ça c'est quoi ça? Un petit... Voilà, pour les enfants. Pour les enfants c'est ce qu'ils veulent. Il faut des trucs pour les enfants dans mon parc. Donc ça c'est genre... Ne vous inquiétez pas, j'ai une idée. On met un truc pour les enfants et à côté on met max de trucs pour acheter des boutiques, etc. Parce que les adultes du coup ils vont aller... On fait ça. Alors, du coup, par contre l'entrée elle est où? Parce qu'il y a le mec qui gère ici. Donc on va faire un truc plutôt comme ça. On la met à côté, non? Un truc, faut quand même que ce soit ordonné, tu vois. Genre ici tous les bâtiments pour acheter, etc. Ici un truc pour les enfants. Bah ouais, après il faudra qu'on décore. Hein. Donc voilà, mon parc est ici. Enfin mon parc, mon car. Donc l'entrée, faut qu'on la mette. On va la mettre bah, toujours là en fait, je pense. Hein. Genre ok, les gens rentrent par là. On va faire une route qui rejoint là, comme ça ici on pourra mettre pas mal de choses. Donc maintenant on fout la sortie. Bah la sortie, est-ce que la sortie rejoint là ou alors elle va plus loin? Pour moi on fout la sortie par là. Hein. Faut pas que ça bouchonne non plus, tu vois. La sortie, non, si, on va mettre la sortie là, ok. Sortie ici, relier l'entrée. Donc maintenant, l'entrée, on va la relier. Attendez, parce que du coup, ici, on reprend la route. Ah non, ah oui, d'accord, c'est là. Ah, d'accord, bon, bah attends, du coup, on va faire comme ça. Hop, hop, ok, ok, les gars. Bon, pour l'instant, vous trouvez ça comment? On est sur plein de coaster, les gars. C'est un jeu de parc d'attraction. Alors, ça change le farming, bien sûr. Fait du farming. Alors, les gars, c'est les commentaires qui disent fait du farming, s'il vous plaît, n'arrêtez. Ben voilà, ben de toute façon, ben, on peut commencer à la tester, comme ça on sera bon. Par contre, niveau décoration, faut vraiment qu'on en mette parce que le problème c'est que ça va pas le faire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de tester mon attraction là? Il y a personne en attraction? Il y a vraiment personne? Nombre de pannes, 0, bah ben, j'espère bien. Est-ce qu'on commencerait pas avec un billet pas cher? Attends, mais déjà, est-ce que l'entrée de mon parc est déjà payante de base en fait? Parce que si mon entrée du parc, portail d'entrée, chiffre d'affaires. Ah, il est. C'est, en gros, tu rentres à mon parc, c'est gratuit. Bah, en même temps, ouais, pour le commencer, les amis. Pour commencer, on laisse le parc gratuit. Ça, c'est quoi? Distributeur de billets. Ok. Ça, c'est truc des employés. Bah, attends, on peut voir combien il y a de gens dans mon parc. Attendez, finance, employé. Ok. En bas, attends, tu vois le jeu. Vendeur. J'ai mis une vendeuse, comme ça, ça sera bon. Ouais. En bas. À côté de ton argent. Ah, il y a 8 personnes. T'as 14, oh, ça monte. Puis, voilà. 19, 24, 26. What? Mais pourquoi ça monte? Mais. Pourquoi ça monte d'un coup? Regardez tous ces gens là. Oh! Mais c'est qui tous ces gens qui viennent d'un coup? 34 personnes, 35 personnes dans mon parc. Oh les gars, c'est bon, le business commence. Il y a 14 adultes, 16 adolescents et famille. Oh les gars, mon parc c'est parti.
Mon parc est ouvert. Ça, c'est en test. C'est magnifique. Oh, les gars, c'est parti. Ça avance. On est parti. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire, il y a des toilettes. C'est magnifique. Au niveau décoration, faut qu'on mette des décos là. Autour, faut qu'on mette des décos. Donc, faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on a en décoration environnement. Alors, en environnement, des parasols et des pique-niques. Ok, il faut qu'on mette un truc de sandwich. Bien sûr, des poubelles. Des poubelles, parce que les gens jettent des choses par terre sinon. On met des poubelles. Parce que je sais qu'il faut mettre des poubelles. À cause des chiottes, on met des poubelles. Bim. Ici aussi, parce que les gens. C'est vrai qu'il faut faire attention à ça, parce que sinon les gens ils pètent des câbles. En fait, à chaque entrée d'attraction. Oh, regardez tout le monde qui va dans l'attraction. Tout le monde qui y va. Oh yes, c'est trop bien. Yes, il y a tout le monde qui y va. Mais des arbres, ouais, alors attendez. Ici, je pense ici, les amis, on va faire une zone où c'est qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir y aller pour genre boire, manger, genre mettre des tables, on met plein de tables, des tables et des tables et des tables. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut quand même un truc pour que les gens achètent à bouffer. Donc, alors qu'est-ce qu'on a? Distributeur de billets, information, guichet, à quoi ça sert ça, les guichets? Guichet, restaurant, petite les attraction. Guichets, c'était entrée de parc, il me semble. Attendez, ouais, il y a des petites attractions. Machine à pince. Aucun objet. Ah. Pourquoi j'ai. Mais attends, mais j'ai zéro. Attends, il y a des machines à pince. Trop stylé pour les gosses, ça. Là, c'est pour qu'ils vous dépensent de la thune. Attendez, les gars. On va mettre des petites machines autour, par-ci, par-là. Attendez, hop. Attendez, hop, hop, hop. Allez. Ça, c'est la petite machine à pince. Comme ça, tu achètes. Attends, après, on peut tester, vous pensez? Regardez ça. Trop stylé. Là, c'est quoi ici? Donc, là, il y a la machine à pince. Ici, attends, allez acheter. Bon, t'inquiète. Ça, c'est des donc, canettes de coca, etc. Ça, ici, c'est les frites. Ok. Oh, nice. Je suis content. Ton jeu est gratuit. Je l'ai payé 9 euros. Parce qu'en vrai, il est en réduction. Et normalement, il vaut 30 euros. Il vaut 9 euros, je crois. Et sur Steam, il y est. Donc, voilà. Alors. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait notre parc. Il faut faire quoi maintenant? Combien de temps dans live? Oh, on va faire en live d'une heure et demie, à peu près. Une heure et demie. Donc. Oui. Oh, what? Oh, le mec est malade. Le mec est malade. Oh, mais gros, t'es un fou. Le vrai clé-clé. Oh, mec, t'es un malade. T'es un malade, mec. Merci beaucoup. C'est juste ouf, mec, ce que tu fais là. Oh, c'est ouf. Waouh. Il y a juste le truc. Oui. Désolé, j'ai pas eu le temps de configurer plus. What the fuck? Ah, le mec est malade. Oh là là. Mon parc. Attendez, il faut mettre pause. Il faut qu'on crée des attractions. Waouh. Merci beaucoup, mec. Merci à toi. Tu es un fou. Le vrai clé gaming, tu vas donner. Attends, mais. Tu m'as donné 500 balles en fait. Tu m'as donné 500 balles. Le mec est malade. Merci à toi mec. J'espère que c'est pas la carte de ta mère. Waouh, merci à toi. Tu es un fou. Bon, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Bienvenue aux 1400 personnes. Alors, on va reprendre notre truc. Ah attends, mais je peux plus bouger. Attendez, hop. Est-ce qu'on... Attends, on peut bouger le parc. Oui, voilà, ok. Bon, les amis, le mec est fou, le mec est malade, waouh, bon, les amis, du coup on reprend ce qu'on est en train de faire, machine à pince, oui, elle est ouverte, il y a trop de monde, je vais aller ailleurs, il est sérieux, il n'y a qu'une machine à pince, attends mais mec il y a trop de monde, ils sont, ah ouais c'est vrai qu'en fait, ouais c'est vrai en fait, il manque, attends les gars, il y a 100 personnes dans mon truc en fait, hein. C'est ouf, merci quelqu'un, encore une fois, merci à toi mec, hein. Attends, mais hier, tu m'as donné 400 balles. Non, 300 balles. Là, 500. Oh là là, c'est un malade. Bon. On va mettre des bâtiments. Hein. Mettre des bâtiments, les amis. Alors, bâtiments, grand bâtiment. On met des petits bâtiments. Qu'est-ce qu'on a en bâtiment? Après, c'est juste des bâtiments en mode bâtiment, quoi. Genre, il n'y a rien. Non, mais faut mettre des choses intéressantes. Salut, Borom. Tu vas nous louper un don. Ah oui, on est pas. Oh là, il y a un problème. Oh là là. Ah, pourquoi je peux pas placer là? Ah, il est pas mal celui-là. Mec, il est ouf. Par contre, tu sais pourquoi je peux pas placer de mes trucs? Qu'est-ce que tu peux pas placer? Ah, les. Ah, faut mettre des. Seulement sur les routes. Seulement sur la route. Ouais. Allez. On va faire une allée. Une allée avec. En bois. Pas en bois. Bordure en pierre. Oh, ouais, ça, mec, ça va le faire. Vas-y, comme ça.
Alors, on met du petit bois. Ah mais non. Ah oui, voilà, comme ça. Du coup, attends, on peut mettre du bois partout, là? Ah non, mais... Comment on met une zone complète, en fait? Parce que là, je fais une... Non, ça va pas comme ça. Alors, tu dois faire... Non, ça va pas. Sélectionner la grille. Attends, parce que là, je fais n'importe quoi. Stop. Oh! Oh non! Comment on fait retour? J'ai fait une connerie! Tu fais clic droit, ça va se... y a des flèches en bas. C'est bon. En bas, j'ai eu peur. Tout va bien. Ton jeu, tu l'as payé que 9 euros. Ouais, il est en réduction. Bon, du coup, comment on fait pour faire vraiment tiens, une zone? Tu prends ton aller et fais sélectionner. Tu vas dans aller, tu fais sélectionner la grille. Sélectionner la grille. C'est à droite. C'est on affiche une petite grille. Parce que j'ai. Ouais, à droite là, tu as tout en bas, tu as sélectionné la grille. Aligné ouais, sur la oui, grille. C'est bon, ok. Sur la grille, voilà. Et puis là, tu vas choisir un endroit où tu vas choisir ta grille. Et la grille, après, tu pourras faire une grosse place comme ça. Ok. Ouais, mais le problème, c'est que ça va dépasser, non? Et comment on fait OK après? Ben après, tu cliques. Et après, tu choisis ton. Ah non, mais en fait, c'est que ça bloque. Donc, c'est que ça bloque. Parce qu'en fait, il y a trop de trucs. Attends, mais je vais enlever. Attends, je vais pas faire ça là. Comment on enlève les routes, par contre? Fais clic droit sur la route. Bah non, ça marche pas. Tu fais désélectionner. Ouais, si, normalement, oui. Ça marche pas. Ah ouais, mais tu dois sélectionner tes allées, hein. Ah oui, pardon. Tu dois sélectionner aller. Ah là, c'est bon, ok. Et puis tu fais clic droit. Tac, tac. Et sinon, si je fais sélectionner là, bim, sélectionner la grille. Attends, tac. Et là, ça marche pas là. Ok. Là, tu penses que ça marche? Non, c'est obstruction. Ah, ça va pas là. Bon, attends, mais c'est trop petit en fait, la zone est trop petite. Bon, c'est pas grave. On va enlever ça, c'est pas gênant. Donc maintenant, mon attraction, est-ce qu'elle a été testée? En test. Donc mon attraction est en test. Qu'est-ce qu'il nous faut mettre de plus? Ah oui, il faut mettre. En fait, on a des arbres. Des arbres de partout, des trucs de décoration de malade. Tout. Les 500 euros, c'est pour le Valtra. Ah, yes. En tout cas, merci à toi, mec. Hein. Merci beaucoup pour ton nom. Tu es un fou. 500 euros. Tu es un malade. Mec, c'est un malade. Qu'est-ce qu'on va mettre de beau? Bandit. Banc. Mais il y a des bancs. Il y a des barrières. Il y a des fontaines. Il y a du bois. Des arbres. Bah non, mais faut mettre des attractions pour les enfants, non? Des tout petits trucs pour les enfants ici, ou je sais pas, qu'est-ce qu'il y a dans ton parc, toi? Ouf, ouais, énormément de choses dans mon parc. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre? Bah ça dépend, soit tu mets un coaster, enfin un gros, mais ça c'est dans attractions sur rail ou montagne russe. D'accord. Alors tu mets des plus petits trucs pour les enfants, on va dire. Aile de moulin à vent. Oh mais c'est nul ça. Oh vas-y, pour décorer. Non. Encre. Oh, t'as des trucs, je savais même pas que ça existait. Angle de jetée. Montagne russe. Des montagnes russes. Ouais, mais là pour l'instant, faut qu'on décore la zone parce que les gens ils viennent dans le parc. Il y a l'attraction, mais ils trouvent que c'est trop vide. Donc il faut qu'on fasse des trucs plus stylés, tu vois. Donc là dans l'environnement. Bah, tu mets des arbres, tu mets des. Ouais. Effets spéciaux. Oh. Effet spécial. Brume importante. Ouais, pour commencer, ça sert à rien. Électricité. Décor. Bah des décors. Voilà, on met des décors. Qu'est-ce qu'on a en décor? Arrivée d'eau fontaine simple. Bah voilà. Ah non, j'aurais dû le mettre peut-être plus. Ah ouais, plus là. Bon, c'est pas grave. Là, on a quoi? Là, on a rien. On a des. Oh! Base de fontaine. Ouais, mais on va pas foutre des fontaines partout. Oh, bonhomme. Pour les enfants! Ils vont kiffer ça. Ils vont le kiffer, ça, les amis. Regardez ça. Attendez. Pour les enfants. Tac! Voilà, ils vont être contents. Il y aura ça. Il y a des cadeaux, est-ce que c'est des gros cadeaux? Ouais, c'est trop gros ça va pas. Bon maintenant on fout des arbres, hein. Ça part en full nature les amis. On fout des petits arbres pour faire un petit peu d'ombre. Voilà, un petit peu d'ombre ici. Ensuite, par ici on rajoute peut-être des arbres, mais tac. Chêne, un petit chêne, c'est gros les chênes. Hein. Des buissons, c'est quoi ça? Ah c'est gros ça. Y a pas des petits buissons juste normaux? Jardinière, non. Mais tu sais, attends, là non. Plante grimpante. Ouais, ça peut le faire ça en long pour décorer. Je sais pas si c'est beau ou moche, mais. Attends. Ah, attends, peut-être plus ce côté ou comme ça? Non, plus comme ça du coup. Oui, voilà. Plus comme ça. Tac. Je sais pas, non, comme ça plutôt. Allez. Tac. Ici aussi. Je sais pas si c'est beau, hein, mais bon, vous me direz plus tard. Bah du coup est-ce qu'on ferait pareil l'autre côté? Je sais pas si ça va faire peut-être trop, non? J'en sais rien. Est-ce que c'est une bonne idée les gars? Je ne sais pas. Je sais pas, non, ça fait. Bah ils veulent de la déco, on fout de la déco hein.
Eh, je sais pas. Bon, écoutez, en tous les cas, ça fera un truc en plus. Au moins, c'est fleuri. Par contre, on peut changer la texture au sol parce que là, c'est du sable au sol, donc ça fait bizarre. Ouais, tu vas dans terrain. Et puis, c'est le troisième onglet ou deuxième onglet. Tac. Ah, mais attends, je crois qu'il faisait nuit. Non. Regardez-moi ça. Non, c'est moche. Mais non. Voilà. Hop. Bon, j'ai commencé là, vous me direz si ça va. Tu me dis, du coup, c'est dans terrain. Ok, terrain, ouais, j'y suis. Creuser, ok, non, texturer. Ah voilà, herbe. Alors il y a herbe, herbe plutôt comme ça. Intensité, taille, ou calme-toi par contre. Comment on met moins? Sinon on met de l'herbe partout là en fait. Oui voilà, intensité max en fait. Intensité max, et on fout de l'herbe partout là. Oh là là, magnifique, magnifique. C'est fleuri, c'est herbé, voilà. Eh, le parc il change, regardez-moi, si on fout de l'herbe là partout. Par contre c'est juste la texture, il n'y a pas vraiment l'herbe si. Si. J'ai une idée, mon gars. J'ai une idée. On met de l'herbe sur le bord, mais au milieu, enfin, on foutre un gros truc, genre une grosse attraction avec un jet d'eau et tout. Je le sens. Là. Mais mec, il faut des idées de fou. Par contre, attends, on va repasser le matin, peut-être, parce que là, c'est un peu sombre le jeu. Tu peux mettre le temps en pause. Enfin, je dirais pas le temps en pause, mais genre, tu peux garder tout le temps la même heure. Ah, comment on fait? Tu cliques sur le petit soleil et la petite lune. Ouais. Et puis normalement, il va être marqué, va y avoir une case à cocher. Ah mais... oui voilà, magnifique, merci. Tu peux choisir ton heure à laquelle tu veux être. Bah nickel, c'est nickel. Bon, ça avance. Bah ça avance un peu. Donc alors, au milieu, il faut qu'on mette genre un truc du genre. C'est le truc que les gosses vont faire. En fait, vu que t'es dans la grande roue, il faut un truc qui décore de fou, tu vois. Genre, t'es dans la grande roue, donc il faut que les gens ils soient dedans et qu'ils voient un truc de malade. Donc il faut quelque chose. Montagne russe, attraction sur rail, attraction, boutique, service, bâtiment. Soit un gros bâtiment, c'est dans les gros bâtiments? Non, pas un gros bâtiment. Boutique et service, peut-être, c'est dans les services qu'on peut trouver ça. Nourriture, boisson, souvenir, guichet, information, distributeur, hôtel. Non, c'est pas là. Est-ce que c'est où? C'est quoi? Il y a des décorations? Environnement. Environnement. Environnement, ouais, et puis. C'est là. Ouais, attends. Arbre, plante grimpante, créateur de séquences. Effets spéciaux. Ah, écran. Forme artistique. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Décor. Bah ouais, un décor. Voilà, c'est ça, aucun décor. Donc là, en décor, il nous faut mettre un truc. Mais c'est un décor qui bouge ou pas, les décors? Ça dépend lesquels. Genre, mec, tu as une catégorie. Attends, oui. Animatronique, ouais, ça doit être ça. Éclairage. Ouais, voilà. Ça bouge. Ça bouge. Ah ouais. Les animatroniques. Oh ouais, mon gars. Qu'est-ce qu'on fout comme. Oh! Est-ce qu'on met ça? Attendez, attends, on regarde ce qu'il y a d'autre. Ok. Eh, c'est joli, hein? Mec, c'est grave joli, hein? Eh, j'ai envie de mettre ça. Genre, t'arrives dans le parc, t'as ça, quoi. C'est beau. Tu fous ta petite horloge, là. Ah non, il y a la poubelle qui gêne. Eh, je trouve ça. Mec, on fait comme ça. Regardez-moi ça. Tac. Oh, c'est beau! Grande horloge. Ouais, celle-là, elle est grande, par contre. Ça, c'est quoi ça? C'est les décorations. Après, peut-être on aurait plus de décoration pour les gosses, genre plus vers la partie truc comme ça. Donc là, c'est plutôt genre pour que les adultes ils disent ouais, c'est stylé et tout. Donc là, il nous faudrait peut-être plus mettre quelque chose. Le dinosaure. Attends, mais peut-être il y a peut-être autre chose. Ouais, en fait, il n'y a pas grand chose. Hein, ratéfant endormi. Qu'est-ce que c'est ce truc? What? On dirait un gros rat mort, mec. Qu'est-ce que c'est ce truc? Orchestre contrefait. Alors ça, pour les gosses, les amis, on fout ça. Oh, pour les... En plus, les amis, vu qu'on est en partie illimitée, on a tout ce qu'on veut. Ah ouais. Ça, alors du coup, on mettra peut-être plus cette partie-là, vu que là, c'est quand même un petit peu fermé. Quoique, là, c'est la file d'attente pour... Ah non, c'est la file d'attente pour rentrer. Ah bah, c'est moche, en fait, ça. Pourquoi j'ai mis ça? Ça, c'est dégueulasse, par contre. On va l'enlever. Donc là, en fait, ici, il faut qu'on mette des choses pour les enfants, vu que c'est la file d'attente. Genre... Ah ouais, mais alors là, les amis... Tout le long, tu fous des statues. C'est d'une beauté. Regardez, hop, une statue ici. Ça, c'est quoi, ça? Petite horloge. Qu'est-ce qu'ils aiment, les enfants, un petit peu, là? Soldat abattu. Oh, c'est magnifique. En bon, on va pas mettre trop non plus. Sentinelle extraterrestre. Non, c'est le même. Lui, c'est quoi, lui? On en fout, genre, je dirais... Allez, on en fout 3 pour décorer un petit peu. Mais pas trop. C'est quoi, ça? Scanner laser. Waouh, c'est gros, par contre. Soldat. C'est quoi, ça? Sorcière chevauchant son balai. Venez, on met un truc, là. Vas-y, on fait ça. Voilà, bon, on a fait ça, voilà. Ça, c'est quoi? C'est un tonneau en bois? Bon, après, peut-être pas trop non plus, non, ok. Bon, par contre, du coup, le dinosaure, on le fout au milieu ou pas? En vrai, les gars, le dinosaure...
Après, faut qu'il y ait quelque chose, que ce soit pour les adultes et pour les enfants. Là, c'est trop enfant, je dirais. Statue et pièce maîtresse. Éclairage. Un truc qui éclaire, ouais. Un truc qui éclaire de fou. Guirlande lumineuse. Ah, ça va pas. Faut un truc qui soit grand. Lampe dragon. Il y a pas un truc grand. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a de grand. Effet spécial. Décoration. Jet d'eau inter... Oh, bah oui. Un petit en vrai, jet d'eau, décoration... Là. Bah, un truc ouais, qui décore de fou, tu vois. Ambiance, c'est quoi ça? Effet spécial, diffuseur de neige. Non. Vous avez pas des idées? Attendez. Oui, une fontaine. Non, mais le dino... problème, le dino, c'est plus pour les enfants et les adultes qui vont trouver ça genre... Ah, c'est un parc pour enfants, ils vont dire. Ouais, et puis t'arrives, t'as le dino au milieu, là. Ouais, ça fait vraiment le parc de bof, quoi. Ouais, il y a un dinosaure. Décor... Ah, je sais pas. Là, faut pas qu'on se fasse n'importe quoi. C'est quoi ça? Arbre en pin géant. Non, mais c'est pas assez gros, hein. Ouais, ça, c'est une... C'est... Ah, ouais. Oh, mec. Tu me dis si ça passe. Mais franchement, ça peut passer. Dommage que c'est pas aligné. Peut-être plus comme ça, là. Oh, on aurait dû mettre ça là, peut-être. Ça aurait été stylé, là. En vrai, je sais pas, ça peut le faire. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est quoi, c'est... Arche de montagne russe. Arche de toile de chariot... Os en baleine. Ouais, c'est un os, quoi. Oh là, attends, il peut y avoir un truc sympa, là. Arche. Ah, mais c'était juste des décors. Waouh. Ah ouais, là, on va arriver sur un truc sympa, là. Là, c'est stylé. Non. Je sais pas. Attends, parce qu'il y a du décalage. Hein. Est-ce que vous pensez... Mais le dino, un lac. Un lac, ça fait... Non, c'est pas un lac, mais... il faut un truc grand, tu vois, genre... qui donne envie. C'est quoi, ça? Bateau. Waouh. C'est un peu gros. Bon bah en pire on va partir sur non le truc de décoration qu'on a vu, ça c'est stylé, on le prend les gars. Voilà, on prend ça, c'est sympa, ça donne de la couleur et tout, c'est stylé. Donc allez, ça on le place 3, 2, 1. Bim, c'est placé. Ok, bon bah du coup la zone à la... en fait je crois que je vais mettre tout en herbe, hein. Je pense qu'on va mettre toute la texture en herbe. Terrain, hop, on met de l'herbe. Mais attends, mais là c'est juste la texture, il y a pas vraiment d'herbe, si. C'est juste la texture de l'herbe. Si, mais t'as herbe haute et herbe herbe basse, il me semble, normalement. Ah, tu penses? C'est quoi? Attends, là, on voit l'herbe ou pas, là? Attends, et ça, c'est quoi? Non, c'est pas... Y'a pas herbe basse, là. Là, c'est juste texture. Y'a que la texture, et on voit pas l'herbe, vraiment. Moi, je vais mettre de l'herbe, moi. Application c'est auto, normal. Sculpté, eau agitée. Oh, j'ai une idée, mon gars. On va faire du trou, là. Ah, mais non, du coup, ça va dans le vide. Ah non, c'est dans le vide. Retour. C'est quoi? C'est CTRL-W? Ok. Ah, sinon... Ah non. Comment on peut faire? Les amis, il faut qu'on mette quelque chose ici. Aplanir jusqu'à la surface. En fait, j'aurais voulu mettre genre de l'eau partout, là, en fait. Et la truc au milieu. Ou sinon, on peut faire... Attendez, on va tester. On va faire un trou. Ouais, bon, intensité, calme-toi. Verrouillage de l'environnement. Verrouillage, texture. Ok, bon. Comment on fait pour faire toujours la même texture? Parce que là, je suis en train de cliquer. C'est quoi la ça? La même texture. Lisser. Non, même, même profondeur, mais toujours même profondeur en fait. Tu fais un trou et puis tu fais aligner sur la surface. Ok, attends. Donc je fais un trou, pas trop profond. Ok. Apanage jusqu'à la surface, ça doit être ça. Oula. C'est pas ça du tout. Ouais. Non. Si, normalement, oui. Si, normalement, si. Ouais, mais là, ça fait un truc dégueu, là. Ah ouais, ça fait un trou, le mec. Oula. Attendez. Ah, mais c'est parce que ton rond était. Oui. Reviens en arrière. C'est parce que ton trou était pas plat. Limite. Comment je peux. Parce que t'es pas. Non, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Pas grave, t'inquiète, on va faire comme ça, on laisse comme c'est. Donc, pour l'instant, du coup, si on met en play, il se passe quoi dans mon parc là? Oh non! Y'a un problème! Qu'est-ce qu'il a ton parc? Regarde, il a la petite sorcière qui fait chier là. Bon, c'est génial. Ah oui! Sinon, on le met où le bordel? Sinon, on le met là. Mais ça va gêner. Non, c'est nul. En fait, c'est quoi? On va l'enlever. On va le dégager. Lui, il fait peur, non? Faudrait pas qu'il fait peur. Je sais pas. Oh non, j'ai dupliqué. Non, stop. Non, j'ai dupliqué. Bon, reste là. Lui, c'est bon. Peut-être elle, on l'a déplacé là alors. Voilà, tu vas revenir ici. Et là, on va passer un dernier truc ici. Ah ouais, du coup, pour l'instant c'est stylé ou pas? Mais il a volé, c'est sûr. Cercle le délinquant. Hein? Tout à fait. Machine à pince, non. Là il faut la déco. Décoration c'est dans quoi? C'est dans environnement, non? Si je me trompe pas. Oui.
Environnement. Et c'est dans décor, allée, récent. C'est où que j'ai vu statue et pièce maîtresse. Ok. Donc là, faut qu'on remette une autre statue. Bah attends, il faut qu'on remette des personnages. Ils sont où les personnages? J'ai perdu. Attends, animatronique. Animatronique, pardon, c'est. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ossière. C'est pour laver. C'est pour arroser ça, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce que c'est ça? Bouffon, d'accord. Là, on met ça là. Non, pas un truc. Oh! Trop gros, trop gros. Beaucoup trop gros. Pirate. Ça, c'est un vu qu'on arrive dans le truc stylé. Non, pas pirate. Hein, un maître. Soldat du clavier humain. Du pirate. Tentacule de Kraken. What? Oh là là, le truc géant. Non, pas ça. Bon, allez, on va rester sur un truc basique. Hein. Alors, peut-être pas la même. Lui, on l'a pas mis. Lui, hop, voilà. Tac. C'est bon. Là, c'est ok. On a ça pour les enfants. Bon, il faudra qu'on décore encore plus, hein, vraiment. Mais une machine à pince. T'inquiète, je l'ai fait. J'ai mis une machine à pince juste ici. Voilà, elle est ici. Magnifique, les gens ils achètent, ils font du flouze. Pour l'instant, on a 94 personnes dans le parc, donc c'est nickel. Celle-là, du coup, elle a été testée, donc on peut l'ouvrir, j'imagine. Donc c'est bon, c'est ouvert, les gens ils vont dedans. Allez-y, c'est ouvert. Est-ce que les gens ils rentrent là? Regardez, ça a été ouvert là, nickel. On a un technicien, attendez, on peut regarder. Attends, c'est quoi? Note de l'attraction 125. Ok, illimité. Ouh, attendez, bénéfice mensuel moins 90, moins 98. Oh, mais on perd de l'argent en fait. En fait, faut qu'on soit dans... Attends, comment on fait pour pas perdre de l'argent? Des boutiques? Des restos? Des restos. Ça part un full resto. Boutique et service, bah, t'inquiète pas. Il faut que tu mettes un prix à l'entrée de ton parc. Ah oui, c'est vrai que mon parc est gratuit. Ah ouais, c'est pas bête. Vous rentrez, vous payez, s'il vous plaît, merci. Alors, plein de tarifs. Alors, les enfants, on va dire que c'est pas cher. On fout du 3€ pour les enfants. Et sinon, c'est du 5€ l'entrée. Voilà. C'est bon? C'est bon ou pas? Raisonnable, ouais. Mais du coup c'est parti ou pas là? C'est bon, ça a été changé? Normalement oui, normalement oui. J'espère. Si je reviens dessus c'est bon. Attends merde. Oh. Attends, clac. Mon entrée. Donc logiquement c'est bon, 5€, 3€, c'est magnifique, voilà. Donc on a un visiteur depuis l'ouverture 140 et visiteur du mois précédent, d'accord, ok. Attends, imaginons si on clique sur elle, l'enfant. La file d'attente, ok. La file d'attente pour cher a l'air rapide, bah en même temps y'a personne, donc oui. Il peut pas être plus rapide que ça. Mais mec, tout le monde qu'il y a. Oh. Mais mec, vous rendez compte, tout le monde qu'il y a. Attends, mais il faut faire beaucoup plus de choses en fait. Il y a pas. Attends, mais il faut faire beaucoup trop. Alors, des services. On met des services, on met plein de choses, les gars. Bon. Qu'est-ce qu'on met d'autre? Nourriture. Bah oui, nourriture. Hein. Allez acheter. On achète, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a en truc d'acheter? Attends, c'est quoi? Restaurant. Ouais, on met en fou un resto. Hein. Ah, mais les restos, c'est hyper gros par contre. Pas des petits restos? Non, il n'y a pas de petits restos. Souvenir. Boutique de souvenirs, bien sûr. Petit resto. Mais c'est énorme, mec. Pourquoi c'est si gros? Il n'y a pas de truc plus petit. Hôtel. Ok. Gestion d'employés. Entrée de parc. Information. Premier secours. Toilette. Boisson. Bah, des boissons. Vous allez boire. Vous allez boire ou manger. Non, manger. Alors, on va manger. Bah, voilà, c'est bien ça. Bah, voilà, un petit bâtiment. C'est quoi ça? C'est pour la viande. Oh, c'est pour la hauteur, ça. La viande reste au sol. Voilà. Donc ça c'est pour manger les gars. Donc bien sûr vous allez manger. On va placer ça bah là. Voilà, nickel. Ici tu manges. Est-ce qu'on laisse une zone assez libre? Est-ce qu'on fait un truc comme ça? Ah, je sais pas comment on peut faire. En fait j'aurais voulu peut-être faire une zone ici parce que là ça va, s'il y a que des bâtiments ça fait nul l'entrée tu vois. Donc un petit truc comme ça. J'ai une bonne idée. Calmez-vous. Hop. Voilà. Et là du coup comment on fait la zone complète? Un terrain? Non, c'est aller. Là on se fout une petite allée en dalle. Attends deux secondes. Allée agréable de couleur bleue. Non, un truc vert, moi je veux du vert. Y'a pas de vert? Non, pas de vert. Allée en grès. Allée en dalle de pierre. Ouais. Allée en rouge sombre. Ça passe ça ou ça fait bizarre? Non, ça fait bizarre ça. En carré. Ouais, bah on part sur ça. Non, lui on part sur ça. Ok, donc là du coup tac. Tac. Et là, du coup, comment on fait sélectionner la grille? Tac. Ok. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Bah, comme ça. Ok. J'ai fait n'importe quoi, mais voilà. Et comment on fait après? Ok. Ouais. Comment on fait? Ok. Eh? Tu dois toutes les relier entre elles. Hein. Attends, mais ah. J'ai du décalage. Ah, d'accord, c'est comme ça.
toutes les relier. Tu relis tout pour faire une place comme ça. Ok. Ok, obstruction. Mais obstruction de quoi ici? Ok. Attends, on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne parce que ça fait bizarre là. Oula. C'est obstruction avec le. T'as peur, je vais enlever là. Hop, hop. Avec le bâtiment que t'as mis. Et là, j'enlève aussi. Et là aussi. Voilà. Ça fait une petite place bien sympa qu'on va mettre du coup à grandir un peu plus parce que c'est vrai que ça fait petit. Donc là, on a une place. Enfin, largement plus grand. Ok. Voilà. Donc là, on a une place. On va pouvoir y mettre des tables. Ça va être sympa. Vous allez voir. Les gens y vont. Donc là, du coup, on a donc une boutique. On refoue d'autres boutiques. Là, les gens, ils achètent. C'est parti. On paye. Donc on a mis une boutique de souvenirs. Les souvenirs, bien sûr, à la sortie du parc. Quand tu sors du parc, tu vas acheter, bien sûr. Qu'est-ce qu'on est? Boutique de souvenirs Planet Coaster. Ouais. Bah, carrément. Alors là, ça fait peut-être gros, non? Il faut pas que ça gâche à mettre le parc. Ouais, non. Est-ce que ça... Les gars, est-ce que ça passe si on fait comme ça? Dites-moi, est-ce que ça va? Est-ce que ça fait stylé? Est-ce que ça gâche pas trop le parc? Ça fait un petit design stylé en plus. Trop bien. Des restaurants. Bah, j'ai mis du coup un truc de... C'est un restaurant, mais pour la viande. Donc c'est un truc de bif, là. C'est... Je sais pas qu'est-ce qu'il nous fait. Des burgers, j'imagine. Non, j'en sais rien. Non, il fait des trucs... Non, c'est pas burger, ça. Ouais, il fait un truc bizarre. Ouais. Ok, on met ça. Allez, let's go. On le met comme ça, je pense. Voilà, donc là, du coup, on a donc... ici, boutique de souvenirs. Donc, tu peux acheter des conneries. Ouais, payer. Coût mensuel. Bénéfice de plus d'ouverture, moins de 114. D'accord. Donc, voilà, on a mis ça. Donc, là, on peut manger. Là, tu peux acheter des souvenirs. On va mettre d'autres trucs pour manger, hein, parce qu'il faut que les gens y mangent. Enfin, comment on voit le parc global que les gens disent? Attends, lui. Gestion du parc. Faim. Oh, elle a faim. Soif, elle a soif. Bah, il met peut-être plus de choses pour boire alors. On va mettre des choses pour boire. Boisson. Allez, à table. En boisson. Boisson. Bah, voilà. Bah, c'est gros ça, non? Oh, à vous, ça passe le design. Ça, l'autre il descend et lui il monte. C'est un peu gros peut-être, mais. Oh, ça aurait pu être tellement stylé. Ouais, bah ça passe en vrai. Bah voilà, ça passe. Non, peut-être on en met deux alors. Peut-être deux. Ah, je sais pas comment on fait là. Ça aurait pu faire un truc stylé. C'est quoi ça? Ouais, c'est gros par contre ça. Ouais, c'est gros de fou. Ouais, mais ça fait. Non, ça fait gros. Hutte buvette. Ouais, mais c'est une ambiance bizarre ça, non? Ça fait ambiance. Au fond, vas-y, on met ça au fond. Genre ça, on le met par là, là. Voilà, là, on peut se permettre de mettre ça. Tac. Attends, tac, 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 pour que ça soit aligné. Voilà. Donc là, du coup, on a mis ça. Pardon, et on va remettre du coup ça. Donc ça c'est pour redéboisson. Comme ça on aura tout ce qu'il faut. Comme ça niveau boisson on sera nickel. Bim, voilà. Ah vous voyez, là on est pas mal, non? Donc là on a du coup, attends, on peut y aller à pied ou pas, tu penses? On peut faire style qu'on est des visiteurs? Non. Ah non, bon père, on fait comme tu ça. Tu peux t'approcher tout près mais tu peux pas faire. Ah okay. Peut-être que si tu cliques sur un visiteur et que tu mets la caméra peut-être. Je suis pas sûr. Si je clique. Oh. Oh. Oh, je suis un visiteur. Bon, y'a pas grand chose, hein. Bonjour. Alors, mec, il arrive. On peut tourner la tête ou pas? Non. Bon, elle se promène, quoi. Elle se promène. Tu vas pas acheter un truc par hasard? Vas-y, va tout droit là. Ouais, y'a pas grand chose en fait. C'est vrai que quand tu regardes comme ça, ça va. Mais quand tu regardes en fait dans ce sens là. Ah ouais, c'est pas le. Ah ouais, oh non! Oh non! J'ai pas fait gaffe! Oh! Oh non! Oh non! De quoi? Attends, j'ai fait une connerie, j'ai pas fait gaffe. Ah ouais, y'a un problème. Ah, y'a un problème, ouais. Attends, bah faut la remettre plus près. Ah, mais j'ai mon allée qui gêne. Attendez, alors là les amis, y'a un problème. L'allée, faut qu'on dégage l'allée. Il faut qu'on dégage l'allée, j'ai fait n'importe quoi. Comment on enlève l'allée? On peut pas enlever l'allée, faut enlever tout en fait. Attends, Pierre, pour l'instant, je vais me mettre là. Attends, pour l'instant, je déplace tout. Attends, déjà, attends, mais ça on pose parce que ça va pas le faire. Ah non, Starview a fait n'importe quoi. 500 euros. Oui, j'ai eu un don de 500 euros, ouais, je sais, ouais. J'ai eu un don de 500 euros, je le sais. Hop, alors, maintenant, du coup, il nous faut modifier notre allée. Oh non. Ah bah, en fait, oh, bah oui, comme ça. Ouais, double route. Tac, tac. Ah non, oh non. Attendez, il faut qu'on relie, en fait. Faut pas que ça se voie. On peut pas faire pas que ça se voie. Ah. Ouais, sinon on fait comme ça. Ah mais non, du coup non, parce que c'est devenu cette texture là. Donc on va laisser comme ça, c'est pas grave, hein. On va enlever ça. On va enlever ça, ça aussi. Ah non, je pensais que ça allait faire un truc tellement stylé. Bon, on va remettre les bâtiments déjà. On va les mettre au plus près sans que ça casse tout.
Au plus près, ça donne ça. Mais après, ça va faire moche, non? Coller le truc. Bon, comme ça, alors on mettra des petits arbustes pour pas que ça fasse trop moche. Donc, on en met un. Ou alors, peut-être. Ou alors, le mettre comme ça. Non, plutôt comme ça. Plutôt comme ça, j'aurais dit. Ah non, c'est vrai que comme ça, c'est peut-être mieux en fait. Hein. Vous préférez comment? Comme ça. Donc, ça, c'est 1. Et ça, c'est 2. Vous me dites dans le chat. Parce que si on met comme ça, on peut le mettre. En plus, il y a un petit arbre, donc peut-être ça peut faire un truc stylé avec l'arbre. Ça, ah ouais, ça peut passer peut-être comme ça. Ça peut passer avec des petites décorations et tout. Moi, je partirais sur cette version-là. 1. 1, c'est ça. J'ai oublié, mais. Non, ok, on part sur ça. Moi, j'ai envie de partir. Je pose une question, après je fais. Attends, mais c'était quoi déjà? Non, ok, attends, on va faire comme ça alors. Mais il est où mon truc? Attends, il est là. On va le récupérer. Attends, c'est quoi ça? Parce que. On met d'abord la bouffe. Hein. C'est la bouffe ça ou pas? Ça, c'est. Bâtiment. Boutique et service. Ah, c'est... attends, oui, c'est pas c'est pour moi, ok. Donc, café et milkshake, ok. Et ça, c'est souvenir. Donc, on commence plutôt par. Ah, je sais pas, on met quoi? Souvenir? On met une boutique de souvenirs ou une boutique de boissons? Là, tu mets les deux. Ah ouais? Bah, on va mettre les deux alors. Ouais, mais ça va faire peut-être trop, non? Bouf. Bouf. Allez, hop. Forcément. Bouf. Voilà. Donc on a ça ici. Et donc maintenant on récupère ce truc. Et peut-être... Au pire, la boisson, on peut peut-être le mettre ce côté-là pour garnir le truc. Ouais, enfin comme ça. Ici c'est boisson. Tac, voilà. Et ça du coup, c'est quoi ce truc là? Attends, déjà on va enlever la route. Parce qu'il y a des routes pourries. Enlève la route s'il te plaît. Tac, 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 tac. Eh bien. Tac, voilà. Donc là du coup, voilà, on a enlevé ça. Il nous faut. Bah ce truc là, qu'est-ce qu'on en fait ce truc là? C'est souvenir ça? Ouais, c'est souvenir. Je me demande si la boutique de souvenirs on la mettrait pas genre peut-être plus par... Alors, on la laisse là pour l'instant. Parce qu'on ferait une sortie ici pour une autre attraction. Donc peut-être pour les gosses c'est mieux de mettre ça vers le jeu comme ça. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Qu'est-ce que c'est ce... Oh non! Oh non, il va être perdu, attendez on va... Excuse-moi petit monsieur, tu vas revenir ici. Voilà. Ok, donc lui il est bon. Et donc là on part sur la boutique. Et là, donc là c'est de la bouffe hein. Là c'est full bouffe. Full bouffe les amis. Ah mais c'est con, tu rentres dans le parc t'as de la bouffe directe. Ouais. Bon. Pff. C'est pas plus mal, non? Bah non. Bah non, t'arrives, tu manges, tu consommes, quoi. C'est parti, alors. Ouais, voilà. Voilà. Ok. Des petits buissons pour bien sûr rendre la chose meilleure. Parce que vous trouvez ça stylé. Le bouseux. Le prochain qui fait un don de Stario le prend sur Discord. Alors, j'ai pas dit ça. Mais d'accord. Alors. On part sur quelque chose de décoration. Éclairage, bien sûr, il faut qu'on éclaire. Il faut qu'on éclaire, parce que de nuit. Attendez. Ah ouais les gars, on a testé. Alors, full éclairage. Qu'est-ce qu'on a en éclairage? Un éclairage. Décor. Effets spéciaux. Extra. Allez, extra, oui. On a des bancs. Bah des bancs, ouais, carrément des bancs. Il nous faut des petits bancs sympas. Qu'est-ce qu'on a en banc? Des sièges. Bah des bancs, on va laisser un banc normal, je pense. Hein. Un petit banc par là. Tac. Un petit banc ici. Alors là, peut-être pas des bancs. Enfin, je sais pas si on met des bancs là. Ouais, si on peut mettre des bancs. Est-ce que ça va gêner? Non, un petit banc là. Un petit banc. Est-ce qu'on l'aligne? On va essayer d'aligner. Et après, on met des poubelles, bien sûr, parce que les gens vont jeter des choses. Poubelles futuristes. Ouais, non, on met des poubelles normales parce que. Poubelle. Alors là, mais où la poubelle? Dans le coin là. Une petite poubelle ici, je pense. Ouais, une poubelle là. Tac, une poubelle ici, on en met une deuxième, j'aurais dit par là. Tac, voilà, maintenant on fout des décorations. Mets des bancs pour manger. Ah ouais? Ah ouais, bah, j'ai mis des bancs, mais peut-être des tables aussi, non? Bah après, c'est pas un restaurant, donc bon. Bon, déjà, on va essayer de mettre de fleurir tout ça. C'est quoi ça? Conifère nain. Oh, alors là, mec, on a trouvé le meilleur truc au jeu. Oh, mec, on a trouvé ça, c'est magnifique. Alors là, on fout des conifères partout. Tac, tac. Oh, alors là, les amis. J'ai trouvé le meilleur truc. En plus, c'est tout vert, c'est tout. Oh là là, c'est beau. Et là, peut-être un truc plus grand, peut-être ici. Ah, j'ai dit plus grand, mais peut-être pas non plus gigantesque. J'adore décorer. J'adore décorer, c'est ouf. Jardinière ronde. Oh, ouais, mais après, faut pas mettre trop. Moi, je veux décorer, mais après, est-ce que ça va pas faire trop? Non, en vrai, pour l'instant, ça va pas d'être trop dégueu. Hein. Je trouve ça sympa. Attends, on va peut-être remettre des conifères. Tac, tac, tac. Là. 1, 2, 3. Est-ce que vous trouvez ça stylé, les gars, dans le chat?
Est-ce que ça passe ou ça passe pas? Je ne sais pas. Waouh, j'ai eu des images par lui, par contre, j'ai pas fait gaffe. Mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. C'est pas si dégueu que ça. On a quoi d'autre ici? Caisse de jardinière. Ouais, mais c'est vide, non? Ouais, c'est vide. Bégonia. Non, là, il faut qu'on mette genre un truc qui fait de l'ombre ou un truc stylé, tu vois. Un truc qui rafraîchit, voilà. Un bananier. Non, peut-être pas un bananier. Arbre à souhait. Waouh. Algue. Joli, ça passe. Ah, merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu au passage, hein, si vous kiffez ce petit live. Hein, c'est, je sais pas, c'est chiant. Ça change d'habitude. Pourquoi je dis c'est chiant? C'est pas chiant, mais... buisson. Bah voilà. Non, pas de buisson, peut-être des petits arbres. Ouais, des arbres. Alors, des petits arbres. Pas trop grands. C'est magnifique. Attendez, alors ça n'a pas d'autre quand même. Ça. Non. Ça, ça va être gros, ça. Ouais, c'est gros, ça. Ça fait quoi, les arbres? Ça fait quoi? Non, ça fait... Non, pas... j'ai pas de truc mort. Ça, c'est trop gros aussi. Peut-être des petits sapins comme ça? Ouais. Je le sens bien. Mais c'est un peu gros, non? C'est un peu gros, peut-être. J'aurais peut-être pas mis ça, là. Je sais pas. Est-ce que ça passe, le sapin, comme ça, là? Ou c'est gros? Un peuplier, c'est aussi trop gros, ouais. Je sais pas. Ça, ça passe. Waouh! Les racines. On voit les racines, mais on s'en fout des racines. Épicéa. Non, mais on va mettre un truc qui a aucun rapport. Sapin de Noël. Bah non, mais c'est pas Noël. Sapin de Noël, petit. Ouais, ça va. Je sais pas. C'est quoi, ça? Ah. Attends, faut se mettre du point de vue comme ça. Est-ce que vous préférez genre comme ça? Ou là, attends, est-ce que si je mets un frein? Ouais, mais ça a trop. Non, ça a trop. C'est trop gros, je trouve. Non, mais moi, ça me va, ça. Allez, on en met un ou deux. Un, moi, je dirais un. Hop, allez, c'est parti, ça c'est fait. Donc, du coup, on a mis notre petit boulot. On a quoi? Sculpture végétale, pierre. Ouais, des petites pierres. Ouais, peut-être gros, ça. Des pierres du style pierre comme ça. Ouais, non, peut-être pas comme ça non plus. Une petite pierre ici. On a mis une deuxième par là. Et une troisième. Non, pas une troisième. Une... Ah, mais c'est beaucoup trop gros, ça. Bon, on a mis des pierres. Effets spéciaux, décor. On remet des petits décors. Mais décors... éclairage, bien sûr. Faut qu'on éclaire. Guirlande. Oh. Oh. Alors là, ça fait Kiki Tuning, mais alors là... Mais alors là, mon gars... c'est peut-être trop Kiki Tuning, même. Ouais, quoique... Attendez, à voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Cylindre lumineux. À côté les chiottes. À côté les chiottes, mon gars, tu mets ça. Ah ouais, mais ouais, mais ouais. Alors là, pim. Pim. Oh, c'est magnifique. Sinon, on met juste des lampadaires normaux, en fait, non? Je me demande si c'est pas, en fait, ça suffit pas. Alors là, comment on peut éclairer ici? Ça a fait beaucoup, là, non? Ou, ah, peut-être comme ça. Ah ouais, ici, là. Alors là, tac. Voilà. Attendez, on va regarder de nuit ce que ça donne. On va se mettre à quelle heure? On se met à 23h. On n'est pas à 23h là? Ah si, on est à 23h. Ok. Ah ouais. Ok, on voit que... Ouais, à 23h, c'est quand même pas beaucoup éclairé. Hein. Ah ouais, c'est pas éclairé du tout, en fait. Ah ouais, mais il fait nuit dans le parc, en fait. Ah oui, non, ça va pas. Il fait nuit dans le parc, les amis. Il faut mettre de la lumière. Faut qu'on éclaire la fontaine, en fait. La nuit, le parc, je sais pas si tu le laisses ouvert, mais... Ouais, mais... Comme ça, mec. Et là, ça éclaire. Attends, mais il faut un truc qui éclaire, en fait, en direction du truc. Lampe carrée. Non, ça, alors là, ça fait dégueulasse. Projecteur de couleur. Franchement, faut qu'un truc qui éclaire... Non, c'est moche comme ça. Petit lampadaire. Vers les chiottes, ok. Vers les chiottes, on peut mettre des lampadaires un peu de ce style-là. Genre... tac. Tac. Pareil, ici. Tac. Tac. Mais par contre, éclairage, c'est quoi ça? Oh. Oh. Oh, mec. Et mec, ce jeu est trop bien. Il y a tellement de choses, tu te rends. Il y a tellement d'objets, c'est ouf. C'est ouf. Bon. Du coup, en éclairage, il y a que ça, un éclairage? Enfin, que ça. C'est quoi ça? C'est guirlande. Ça, c'est moche. Applique lumineuse. Ah, ben voilà, c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Ouais, mais elle éclaire pas vers la bonne direction, en fait, là. Sinon, on fait un truc comme ça. Ah, ça éclaire pas vers la bonne direction. Ah non, ça va pas. Comment on fait? C'est beaucoup trop gros, ça. Comment on ferait, les gars? Salut, Starview. Yo, yo, ceux qui viennent d'arriver, les gars. Chandelier. Chandelier, mais qu'est-ce que tu fous, ça, là? Tu fous un chandelier, là? Non, je sais pas trop. Un bras zéro, peut-être pas non plus. Faut une ambiance shot, tu vois. Mur. Non, pas un mur. Tu seras en live ce soir. Ouais, ce soir je suis en live sur ma chaîne principale, hein.
Ah, je sais pas comment on éclaire ça, les gars. Oh, ça fait dégueu, là, ça fait peur, ça. Ça fait peur. Ça fait peur, mon truc. Ah, ça fait flipper, mon bazar. Oh, c'est quoi cette lumière, là? Bon, bah, je sais pas, mais attends, mais y a pas que ça, un éclairage. Mais c'est pas possible d'avoir que ça, un éclairage. Éclairage. Arche. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas de la lumière, ça? Non, non. Ouais, ça fait peur. Bon, bah, un éclairage, j'avoue que je sais pas trop quoi mettre. Après, j'avoue, de nuit, on met pas grand-chose, en fait. Donc, au pire, on va laisser comme ça. Voyez, Valou. Bah, attends, on va peut-être remettre play, hein, vu que du coup, bah, là, c'est bon. Ah, oh, ouais, mais c'est stylé. Ah, oh, ouais, il commence à avoir quand même pas mal de choses. Hein. Là, t'arrives ici. Là, ici, t'as pour bouffer. T'as des poulettes. J'ai dit quoi? Des toilettes, veux dire? T'as des toilettes. On verra pas. Des toilettes, un distributeur de billets. Alors, ça c'est dégueulasse, par contre, ce bâtiment. Un petit arbre ici. Éclairage, non. Nature. Un petit arbre pour qu'on cache cette zone dégueu ici. Bon, c'est un arbre qui soit quand même normal. Non, mais. Non, pas ça. Non, c'est dégueulasse cet arbre-là, non? Non, on remet des sapins, genre comme on avait mis tout à l'heure. Genre, lui, on va le dupliquer. Lui, duplication. Dupliquer. Voilà. Non, pas ça! Ah non, mais attends, c'est ça. Voilà. Ça, on le duplique. Et du coup, on va essayer de le mettre. Est-ce qu'on mettrait pas genre des arbres un petit peu par là, non? Je sais pas comment on peut faire. Ouais, un petit arbre là, non? Hop, un petit arbre là. Un petit arbre ici. Et après, il faut dire qu'on ferme la zone, je pense, non? Et yo, ce qui vient d'arriver, les gars. Si t'avais répondu, oui, je te réponds. En vrai, je t'avoue que là, je fais vraiment un petit peu ma vie. Je crée mon petit parc bien sympa. Voilà. Voilà, là, on a notre ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut en fait de plus là? Est-ce qu'on perd de l'argent? Oh! Bénéfice mensuel 127. Attends, je mets play. Play. Oula. Hop là. Elle retombe, la personne. Est-ce qu'on est bon le parc là? On a 124 euros de revenus. 110 euros. Là, le parc rapporte de la thune, les amis. C'est nickel. C'est nickel. Bah non, je vais regarder par mon parc où c'est qu'on en est. Alors, mon parc, vu d'ensemble. Ah, mes employés sont satisfaits à moitié. Pourquoi? Il veut quoi lui? Bernie. Charge de travail basse. Bah, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire. Je lui paye 145 euros. Pourquoi il est pas content? Ah si, il est un peu mieux. Bah, ils sont pas contents. Boron, pourquoi nos trucs sont pas contents? Genre nos employés? Soit ils sont pas assez payés, soit ils peuvent ne pas avoir assez de travail. Oui, là, ouais, c'est ah, oui. Assez de travail. En pause, en attente. Ah ouais, ils sont en pause, ils sont en attente. Donc ça veut dire que là, on va partir sur une nouvelle attraction. Et oui les amis, c'est parti. Ouvert. Pourquoi 0 bénéfice du mois précédent? 5 euros, 3,50 euros. Bah après la grande roue, 3 euros, 5 euros le truc là, ouais, c'est raisonnable. Hein. En vrai, c'est un peu cher, mais bon. Oula! Distributeur de Monsieur Frit. Moins 46 euros. Mais tout est gratuit ou quoi? Attendez, mais mes boutiques sont bien payantes quand même. Ouais, ça rapporte. Hein. Pas beaucoup, je crois, mais ça rapporte. Non, mais voilà, nickel. Bon, mais maintenant, les amis. Bon, par contre, il y a beaucoup trop de gens dans mon parc, il n'y a pas assez d'attractions. Regardez, il y a la queue là. Et par contre, mec, mais il n'y a personne à ma grande roue. Tout le monde s'en fout de ma grande roue ou quoi? Ah ouais. Ah mais si elle est pleine en fait. Non elle est pas pleine mais presque. Ouais attends du coup faut qu'on fasse autre chose là. Faut qu'on fasse une autre attraction. On va juste remettre le jour parce que... Alors on va remettre pause. On va remettre le jour en mode il est 10h du matin s'il te plaît. 10h. Voilà. Bon en attraction on va attaquer sur quelque chose de stylé parce que là il y a trop de gens. Il faut mettre des attractions pour que les gens y aillent. Attraction à sensation forte. Attraction calme. Ah non on part sur un truc peut-être plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a comme truc sympa? Mais pour les enfants, non? Je sais pas, non? Il y a beaucoup d'enfants ou pas? Non, pas en fait, il n'y a pas tellement d'enfants. Non, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Il faut un truc qui ait beaucoup de gens dedans, en fait. Nausée. C'est gros. Oh, mais c'est gros, non? C'est gros, ça. Attraction. Attraction sur rail. Ah, peut-être. Ah, attendez. Oh. Il n'y a pas un truc auto-tamponneuse, là? C'est stylé, ça. Qu'est-ce que c'est? Grande roue, non? Tick-up. Il faut un truc qui ait beaucoup d'enthousiasme. Attends, on va trier par enthousiaste. Enthousiasme, voilà. Comme ça, les gens vont tous y aller. Oh ouais, looper. Bah lui, c'est le meilleur en fait. Les gens ont tellement envie d'y aller dans celui-là. Les gars, venez, on met un truc comme ça. Mais attends, mais les gens vont tous flipper. Et ça, on le met un peu vers là, là. Tu vois, comme ça, les gens, ils vont voir ça. Ils vont faire, on y va, mais direct. En fait, plutôt là, ouais, plutôt là peut-être, allez. On met ça. Ah ouais, ici, les amis, ça peut le faire. Un looper, ça vous dirait un petit looper, là? Ah, ça doit tourner de fou, ça doit faire flipper, ça. On va la mettre là, je pense. Hein. Bah ouais, je pense. Dans quel sens? Dans quel sens? Ce sens-là, peut-être? Peut-être ce sens. Ouais, peut-être ce sens-là, en vrai. Je sais pas si ça. Ouais, je sais pas. Ouais, un looper. On fout un looper. Let's go, les gars. Ça part en looper.
Arbre sur lumière. Comment ça, arbre sur lumière? Il y a une... Ou comme ça. Non, plutôt là, parce qu'il faut qu'on, passe un parc qui s'agrandit de fou. Donc on va mettre un truc là. On la met là, puis en tout cas, on va voir. On mettra des décorations autour. Ok, donc le looper est bon. On fout l'entrée. Est-ce qu'on mettrait pas une route qui passe pas loin? Parce que les allées, le problème, c'est que les allées, c'est pas ouf. Donc on va remettre des routes. Bah, on va laisser les routes normales. Hein. Donc là, on va tout droit. Bim, bim. Là, on va faire un truc qui fait le tour. Tac, tac. Et là, à mon avis, la zone, ici, cette zone-là, on va y mettre pas mal de déco. Hein. Genre un truc de relaxation ou tu vois, un truc comme ça. Donc là, bah, comme ça, en fait. Et après, ça rejoint peut-être un autre truc. Non, bah, au pire, la zone ici, on va aussi mettre des attractions, en fait. Hein. Donc, en fait, on fait une grosse allée. Et bah, pour l'instant, voilà. On fait une grosse allée, on verra bien. Déjà, ça, au moins, on peut le relier. Déjà, de base. Non. Ça, déjà, on va le relier. Attendez, hop. On va le mettre... Bah non, de l'autre sens, parce qu'il n'y a rien sinon. On va mettre un truc... Bon, je mets ça comme ça pour l'instant, on s'en fout. Voilà, l'attraction, du coup, on va y mettre notre petite allée. Enfin, l'entrée, du moins. Attendez, parce qu'il faut que je me trompe. Pas que je me trompe au niveau... Ah, mais... Voilà. Alors, on met une petite allée. Non, c'est la file d'attente. Donc, bah, tu rentres... Non, tu vas rentrer là. On fait ça, tu rentres ici. Et tu sors là. Voilà. Et maintenant, on relie. Toi ici. Non, toi... On fait une bonne file d'attente parce que... Oh les gars, venez, on fait une grosse file d'attente parce que je sens que les gens, il va y avoir masse de gens en fait. Donc tac, 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 tac. Tac. Attendez. Tac, 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 tac. Et là, bim! Allez-moi ça. Là, on va être nickel et maintenant on fout la sortie. Parce qu'en vrai, alors, le problème d'ici, c'est regardez, la file d'attente, elle est pas encore pleine, mais bon, tu vois, les gens, ils commencent à avoir pas mal de monde. Donc on a mis ça. Maintenant, on va mettre du coup la sortie. Non, je vais relier la sortie, s'il vous plaît. Mais attends, mais je vais relier la sortie. Attends, ma sortie, elle est reliée à quoi, là? À une route. Ah oui. C'est quoi ce bruit? C'est la musique qui fait ce bruit? D'accord. On va mettre une petite route qui repart tranquillement. Bah, elle repart. Bah, en fait, en repartant, tu passes par forcément d'autres attractions. Et ça, c'est cool. Tac. Ok. Et là, bah, on fera une route qui part dans ce sens, non? Bon, pour l'instant, on laisse comme ça. Donc là, l'attraction y est. Bien sûr, n'oublie pas les petits arbres. Borom est parti. Je sais pas. Borom, t'es là? Non, je suis là. Borom est là. Alors, maintenant, on perd de l'argent ou pas? Ou la bénéfice mensuelle, 40 euros. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en test directement. Comme ça, ça sera nickel. Attends, venez, on teste l'attraction. Attends, en fait, j'ai 12 000 musiques. Voilà. Attendez, parce que là, du coup, j'ai mon attraction. Démarrer le test. Oui. Caméra. Oh, les gars. Regardez-moi ça. Oh! Oh les gars, c'est quoi ce truc? Oh! What the fuck! Mais les gars, ils font ça, ils vont mourir? Oh là là! What? Oh, ça fait ça. What? Oh, regardez le truc! Oh les gars, mais alors là, on va se faire max de thunes. Il y a eu un don? Merci, Clique. Non, il y a que Clique qui fait un don. Regardez-moi ça. On va se faire de la thune comme jamais avec ça. Arbre sur lumière. Comment ça, arbre sur lumière? Bon bah les gars, on va être nickel là. Bon bah nickel. Bon, on va laisser le test se faire. Il faut qu'on décore, mais tellement. Qu'est-ce qu'on y met? Montagne russe. Outil, c'est quoi outil? Il y a quoi dans outil? En tout cas, j'ai pas de faire le live encore trop longtemps parce qu'il faut que je prépare le live de soir. Donc bah si ça vous plaît, on recontinuera. Enfin moi, je pense que je recontinuerai parce que j'aime bien, moi c'est sympa. Des petits arbres, bien évidemment. Pourquoi il n'y a pas d'arbres? Attendez, environnement. Hop. Bien sûr, on met des arbres. Alors. Non, peut-être pas des arbres. Pour l'instant, on met des choses. C'est quoi? Audio. Haut-parleur, parc, ambiance. Bah, il y a déjà de la musique. Oui, il y a déjà de la musique. C'est créateur de séquences, effets spéciaux. Brume. Diffuseur de neige. Fumée. Fumée intermittente, fumée importante. Venez, on met de la fumée. Ça donne quoi, ça? On met de la fumée dans la file d'attente en mode. Oh, alors là. Tu mets de la fumée. Ah, on met au début ou à la fin la fumée? Parce que tout le long ça va faire chiant. Ou alors entre les deux, genre à un moment il. Ouais, pour les chauffer un petit peu, tu vois. Non, on va les mettre là. Attends, mais intermittente c'est quoi? Fumée modérée. Ah ouais, ça s'arrête pas. Oh, c'est d'alerte ça. Diffuseur de neige carbonique, ça donne quoi ça? Ah, neige carbonique c'est peut-être mieux, ouais. Ah ouais, neige carbonique c'est mieux. Partout, bah pas partout les gars.
petit, moyen, grand. Ah ouais, on va en mettre, hein. Ça, c'est quoi, ça? Des visières de neige. Ah non, pas de neige. C'est de la neige, ça? Non, mais du coup, non, neige carbonique. Allez, let's go. J'ai de vapeur. Oh. Là et là. Voilà. On passe sur la barrière, quand même. Là. Ok, et là, on met de la neige carbonique ici pour l'échauffer. Allez, une ici, une ici, une ici, une ici. Bon, on verra pour le reste. On a fait ce qu'on a vu. Regardez-moi ça. Et t'arrives, tu vois ça, t'es en mode... Oh, trop stylé. Oh, les gars. Je suis heureux. Re, les gars, ceux qui viennent d'arriver, les gars. Bienvenue. Vous êtes encore 1200, pratiquement. Je ne comprends pas. Vous avez l'air de kiffer, toi, en tout cas, ça vous fait passer le temps, quoi. Effet spécial vapeur. Oh non, dis pas que c'est une roue de vapeur. Oh non. Oh non, c'est une roue de vapeur, je crois. Non, je sais pas. Bon. Voilà, donc on a mis ça. Électricité. Effet spécial, grand arc électrique. Non, on va se calmer, hein, pas trop non plus. Eau. Fontaine d'eau. Ça va être marrant. Non, on fera une attraction avec de l'eau. On mettra des trucs d'eau au début, ça va être sympa. C'est quoi ça? Oh, mais c'est tellement stylé. Oh là là, les gars, vous imaginez pour les... Oh, c'est trop bien ça. Bon, des allées. Bah oui, du coup, les allées, on va mettre des petits bancs pour les gens. Allez, tu t'installes, un petit banc pour toi. Enfin, pour toi, pour les gens qui ont envie de voir. Ouais, pour voir l'attraction. Les gens vont avoir envie de voir l'attraction. Donc, on met. Bah, les bancs, autant mettre les mêmes bancs qu'on a eu. Hein. Un petit banc là, un petit banc là. Parasol et pique-nique. Mais est-ce que ça va pas être trop bruyant? Non, on va faire un truc de pique-nique ici. T'es une petite zone de pique-nique. Mais le problème, c'est que je sais pas trop comment on fait. Hein, parce que. Banc. Ben voilà, c'est ça. Ça, une table normale. En fait, juste une table normale. Pas la peine d'un truc trop déco. C'est bon ça ou c'est comment? Non. Et il faut le placer sur une zone en plus. Attends, il n'y a pas des bancs normaux en fait? Parce que là c'est des bancs bizarres. Nature, décor. Bah en fait c'est... Pourquoi y a, c'est des bancs bizarres? Ouvre. Ah attends, elle est encore en test. Donc on l'ouvrira après. Mais attends, mais tant qu'il n'y a pas de décoration, l'ouvrir, je sais pas si c'est une bonne idée. Au pire on va laisser ça comme ça. Ouais. Allez, on crée une... Au pire on va créer... naturel. Ah ouais, une... Ah bien sûr. Par des barrières, par une série de... par des barrières, ouais, par des barrières. Et là, on fait... Comment on va faire ça, du coup? Comment on l'a créé, notre zone, là? Tac. Attends, enlève-toi, toi. Oh non, on peut pas faire... toute la zone. Genre, je veux tout mettre, en fait. On peut pas... Oh non. Bon, bah, du coup, on peut pas. On va faire bah, une allée, du coup. Mais non, mais... Attends, mais comment on fait? File d'attente. Non. Bon, comment on fait, tu sais, en gros, une zone d'herbe où c'est que les gens, il y a des tables, il y a plein de trucs. Sinon, on va faire une allée en attendant. Bah, tu dois faire une allée sans chemin. Attends, je vais gérer. Tac. Sinon, on fait comme ça. Attends, comment on fait, tu dis, pour terrain? Non. C'est la dernière, voilà, section dans la grille. Non, c'est la dernière, il me semble. La dernière allée. Normalement, c'est des allées sans chemin. Ah, ou alors c'est un DLC. C'est bizarre quoi. Attends, mais c'est pourquoi? C'est bizarre que tu dois faire ça, je comprends pas. Tu dois cliquer toi-même, c'est qu'il doit y avoir un truc, non? Non. Tac, 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 tac. Non, pourquoi obstruction? Obstruction. Hop. La route. Ah. Tac, tac. C'est ton autre allée qui fait obstruction. Ah non. Bon, au pire, on va enlever ça. Tac, tac. Là, je peux pas connecter. Ah oui, c'est mon autre allée. Voilà. Ah non. Bon, déjà on a fait un carré bizarre. On a un autre carré, donc là c'est la zone où c'est qu'il y aura bah, tout le bordel, des gens, des parasols et tout. Et après, bah, on va relier en fait, on va relier, voilà. Et les gens pourront sortir là, voilà. Qu'est-ce qu'on est pas... On est intelligent, nous, on est intelligent. Maintenant, bah, je disais, mais allée naturelle, ouais on peut. Ouais, une petite allée comme ça. On met juste un petit peu de texture, comment dire quoi. C'est où le terrain déjà? Naturel, file d'attente, environnement. Merde, c'est où le terrain? Ah, c'est là, terrain, pardon. Hop, on met juste full herbe, texturée. De la bonne herbe, voilà, regardez-moi ça. Full herbe. La full herbe. Plein d'herbe. Voilà, vous... Ah, allez, ça va être nickel, vous allez pouvoir vous éclater. Et là, il y aura des jets d'eau pour les gosses, mais ça va tellement être bien. J'ai une idée, mon gars. Ouvre, c'est fini. Ouais, attends, deux secondes, hein. Je finis juste ça. Je vais ouvrir tout ça. Tac, tac, tac. Mais je veux de l'herbe partout dans mon parc en fait. Je vois, j'aurais dû prendre. en fait, j'aurais dû prendre environnement herbe. Enfin, je sais pas. Hop. Bon, voilà pour ici.
En vrai, je trouve que c'est pas si moche que ça. Hein. Il y aurait peut-être pu y avoir pire. C'est quoi, Pierre? Application auto, c'est quoi ça? Non. Bon. Oh. Oh, enfin un petit lac. Un petit lac. Un petit lac, t'es. Ouais, on le fait où le lac? Bon, alors, pour l'instant, chez Amazon. Attraction. Alors, hein, boutique et service. Bah, du coup, non, c'est dans environnement. Faut qu'on mette, alors, du coup, des tables, des décors. Bon, pour l'instant, les tables. Hein. D'abord, on met les tables, tout ce qu'il faut. Donc, des bandes, non, des trucs de pique-nique. Alors, en pique-nique, bah, des tables comme ça, non? Voilà. On en met dans ce sens-là. Tac. Après, il faut qu'on aligne. Hein. Pas intérêt à faire n'importe quoi. Tac. Encore une troisième, peut-être. Tac. Et après, 3, ça va ou... Attends. Et après, une là. Une là. C'est pas aligné, c'est dégueulasse. Ok, donc là, on a mis du coup nos tables. Il faudrait peut-être mettre des poubelles. Bien évidemment, on met des poubelles, hein, on n'oublie pas. Bah, poubelle comme ça. Bah, poubelle, après, c'est bizarre, là. Non, ça fait bizarre. T'as du parquet, et puis d'un coup, t'as plus rien. Non, faudra qu'on change d'installer, hein, c'est moche. Une poubelle ici, et une poubelle là. Voilà. Donc là, c'est bon. Est-ce que pour l'instant, c'est stylé ou pas? Est-ce que ça va? Ouais, dites-moi dans le chat. En vrai, je sais pas. Voilà, ça va. Merci pour. Non, mais il y a eu des dons, les gars, je sais. Hein, j'ai vu qu'il y avait des dons. Merci à vous, je les ai vus, merci à vous. Alors, écran, non, audio, caméra. Des caméras. Bien sûr, on sécurise. Mais bien sûr, faut qu'on sécurise la zone. Attention, les voleurs, bien sûr, oui. Bon, on met une caméra au pire. Hein. Mais où, on la met où la caméra? Je sais pas, on peut mettre une caméra pour mettre une caméra. Bon, pour l'instant, on s'en fout. Bah, faut mettre quoi maintenant? Éclairage. Ouais, un peu d'éclairage si vous voulez. Non, statue et pièce maîtresse. De la déco, c'est vrai que ça peut être pas mal la déco. Une fontaine, mais c'est bizarre, non? Jardinière ronde. Ah ouais. Non, non, parasol. C'est où les parasols? Clôture, nature. Là où il y a les bancs. Là où il y a les bancs. Parasol. Il y a que ça en parasol? Ah ouais. Parasol. Ah mais on les met où les parasols? On va les... Faut qu'on on les... sur la table. Non. Ouais, c'est ce que je fais. C'est vrai, tu fais ça? Moi, je les mets sur... Ah non, mais... Si t'appuies sur Shift, ouais. Tu peux... Ah ouais, la hauteur. Ta souris, la hauteur. Ouais. Ah, bah voilà. Attends, les gars, dans le chat, c'est à vous de décider. Vous préférez quoi? Soit on prend celui-là, que je déteste, il est moche. Soit on... Alors, le 1... Ça, c'est celui-là, le rouge. Hein. Le 2, c'est celui-là. Et le 3, c'est celui-là. 1, 2 ou 3, vous décidez dans le chat. 39 000 abonnés? On a 39 000 abonnés! On vient de passer les 39 000 abonnés, les gars, c'est ouf. Merci à vous, c'est ouf, merci beaucoup. Sur la table, ouais, mais du coup, 2. Tout le monde dit 2. 3. Ok, bon, ça part sur 2. Okay. Le 2, ok. Bon, c'est celui-là, le 2. Allez, hop. Alors, comment on va le placer pour pas que ce soit moche? Parce qu'il faut quand même que ce soit haut. Comment on modifie cette hauteur? Shift. Genre là, ça va? Attends, j'en place un pour tester. Tac. Oh non! J'ai envie de merde. Là. Et attends, voilà. Tac. Est-ce que ça va, là? Bon, ça va. Hein. Attends, c'est pas aligné. C'est même pas aligné, je vais même pas mettre un truc droit. Là, c'est droit, c'est au centre. Tac. Bah, ça va. Faut le pied dans le sol, mais ça va. Maintenant, on le duplique. Hop. Là aussi. Attends, faut vraiment que ce soit la même hauteur, parce que si c'est pas la même hauteur, on a l'air vraiment bête. Tac. Oh non, c'est pas droit. Mais regardez comment je suis vraiment intelligent. En même temps, pourquoi c'est pas, y a pas un truc automatique? Là. Et là, bon, au pire, voilà quoi. Voilà, ok. Ah non, mais s'il faut faire tout ça à tous les lampadaires, on n'a pas fini. Le live sera une vidéo après. Non, après, bah après, ce sera une rediffusion. Ouais, enfin, le live sera en rediffusion, ouais, en tout cas. Donc voilà. Ce sera avant, ça va être trop long, mais. Parce que, bah si vous. Vraiment, est-ce que vous voulez d'autres lives sur ce jeu? Vous me direz dans le chat. Si vous voulez d'autres lives dans ce jeu. En vrai, c'est le début, donc on a eu le. Enfin voilà, c'est le début, c'est. Faut apprendre à les commandes et tout à jouer. Mais voilà, en vrai, ça va. Hein. Bon, lui, il est tout. Il est plus petit. Mais ça le fait, ça le fait, ça le fait. Lampadaire, on va. Oui, ah, vous kiffez? Ah ouais, vous kiffez? Bah, mettez un pouce bleu. Merci à vous en tout cas. Je me suis dit, est-ce que là, vous allez kiffer ou pas?
Et au final, bon, bah, j'ai un niveau un peu nul, mais vous avez l'air de kiffer un peu. Tac. Par contre, c'est vrai que c'est... Ouais, bon, voilà. On va faire ça rapide. Hein. Tac, et... Tac. Est-ce qu'on est bon? On est nickel. Voilà. Je suis content de moi. Voilà, je l'avoue. Je suis content de moi. J'ai mis des petites tables et tout. Maintenant. Parce que le problème, c'est que, ok, il y a à bouffer, mais ils achètent où la bouffe? Mais pourtant, c'est qu'on a, enfin, on a déjà mis des trucs de bouffe, en fait. Sinon, mais des distributeurs. Attendez. Non, il y a moyen qu'on colle un restaurant ici. Il y a moyen, parce que la zone va être vide, sinon. Donc, on va coller un restaurant et puis mettre un truc ici. C'est moche, parce que les gens vont faire... Bref, voilà. Donc, on va coller un restaurant. Après, on va s'arrêter, parce que moi, il faut vraiment que je prépare mon live de ce soir. Mais en vrai, j'ai bien kiffé. C'est sympa. Moi, j'aime bien faire ça en stream. Boutique village. Non, bouffe. Bah oui, c'est la bouffe, pourtant. De la bouffe, de la bouffe. Qu'est-ce qu'on en peut mettre qu'on n'a pas mis? C'est quoi ça? Ouais, c'est gros. C'est gros, mais ça peut le faire. Attends, mais pourquoi c'est... Ah, mais la caméra qui se met en plein milieu. Ça, est-ce qu'on pense ça? Non. Mais non, c'est pas ça que j'ai pris. C'est lui. Ça fait bizarre, ça, non? Ouais, franchement. Est-ce qu'on peut mettre... On peut mettre dans le sol? Attendez. Hop. Ah non. Finalement, on fait un truc comme ça un peu. Genre, les gens doivent monter sur un truc. Après, faut pas que ça soit trop collé, non? J'en sais rien. Comme ça? Ouais, un peu comme ça, non? Enfin, je sais pas du tout. En vrai, est-ce que vous trouvez ça sympa ou pas? Le problème, c'est que là, il va y avoir les tables qui vont gêner. Si on fait comme ça. Au pire, les tables, on les décalera, c'est pas grave. Vers la fin de 2001, ouvre. C'est un resto, un auteur. Bah, ah, c'est un resto! Ah non, je veux pas un resto, je vais pouvoir... Non. Stand de nourriture. Bah voilà. Stand de nourriture. Bah voilà, ça qu'il faut mettre, en fait. Je me disais. Ouvre son attraction. Oui, ne vous inquiétez pas, on va le faire. Attendez, hop, déjà, on va remettre ça droit. Donc ça, c'est pour acheter à bouffer. Faut qu'on le mette à un endroit, en fait, que les gens... Bah ouais, vers là, en fait. On va faire un truc comme ça. Après, les tables, on va les décaler. Ou comme ça. Mais là, c'est dans l'arbre, ça va pas le faire. Sinon, là, on va l'enlever. On va faire comme ça. Allez, hop. On met ça comme ça. Juste là, on va le décaler. On va le mettre là. Hop. Ok. Bon, du coup, l'attraction, on l'ouvre, les gars. Pim. Allez, c'est ouvert. Allez-y. Les gens vont commencer à y aller. Bon, mais le monde qu'il y a là-bas, les gars. C'est ouf. Hein. Bon, bah, les amis. Voilà. On va s'arrêter là pour l'instant. On aura fait un truc sympa. On aura commencé à faire. On aura fait trois attractions. Donc, on aura la grande roue. On a le truc pour les gosses. Mais c'est ça qui est, mec, ça plaît de fou, ça. Hein. Oh, le monde qu'il y a. Voilà, des petites décorations, on a mis des trucs sympas ici, des arbres, des petits buissons. Est-ce que vous trouvez ça stylé, les gars? Est-ce que vous trouvez ça stylé? En vrai, je trouve ça quand même sympa, franchement, j'aime bien. Donc voilà, les gars. Il y a des chiottes, il y a des trucs pour tout le monde. Donc ce qu'on fera, c'est que ceux qui regardent la rediffusion, n'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse pour en plus que les attractions, des décorations. S'il y a des choses que j'ai mal faites, par exemple, donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je verrai quand je restreamerai, peut-être que je ferai un live vendredi, on verra ça, je sais pas du tout. Donc voilà. Il faudra qu'on décore du coup cette attraction là parce qu'il n'y a rien. Il faudra qu'on finisse de décorer encore ici aussi des buissons, des stands, etc. Mais j'attends un petit peu de voir vos retours pour voir déjà comment ça se passe. Et voilà. J'aimerais bien, attends, comment on met le temps accéléré là? Les gens, allez dans mon attraction s'il vous plaît en fait. J'aimerais bien que vous testiez mon attraction. On est à moins 50 euros. On perd de l'argent les gars. Moins 120. Ça dépend, en fait, ça dépend des fois. Oh, on perd un peu d'argent. Ah, les gens y sont. Regardez. Regardez, play. Allez, allez-y. Attendez, on va se mettre dans la vue des personnes. Ah non, attends. Non. Trop de visiteurs tentent d'utiliser le Cosmic Co. Oh, il m'énerve, lui. Attendez, il y a un problème. Attendez, si Starland ne va plus. Starland, c'est ça? Comique, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de gens, il y a personne, qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce qu'il y a personne? En même temps, il y a 300 personnes. Il y a plus de gens sur mon live que dans mon parc. Ça, c'est tiré. Attendez, ouais. On va juste sélectionner une personne. Oh, je vais te sélectionner en fait. Genre toi. Et là, je fais vue de la personne. Alors, comment ça se passe? Tu vois l'attraction? Bon, c'est un peu vide, hein. Oula. Bonjour. Ah, il y a... C'est qui ça? Il y a Huguette. Ok. En vrai, ça va, c'est propre. Oh, le monde qui vient. Et les gars, à mon avis, le plus de personnes qu'il va y avoir, ça va ici dans le parc, hein. Je le sens. Bon, bon, j'aimerais rentrer. Et c'est encore en test ou quoi? Parce qu'il y a personne en fait. Bon bah voilà. Bref. Voilà, Valou. J'espère que vous avez aimé ce stream les gars. Huguette.
J'espère que vous avez aimé ce stream. Voilà, on va s'arrêter. On va mettre pause hein, pour arrêter qu'il se passe des conneries. Juste comment se passe. Non, juste pour regarder dans la vue d'ensemble. Waouh! Aucun employé? Ah, juste un momento, c'est quoi ça? Hein? Aucun employé? Y'a aucun employé ici? T'as pas assez de vendeurs. Ah! Bah, t'inquiète pas, ça va vite être réglé. Employé! Comment on fait? Finance, vue d'ensemble. Non, employé. Comment j'ai fait tout à l'heure pour afficher les trucs complets? Engager du personnel, oui. Alors, des vendeurs, c'est parti. Toi, toi, toi. Bon, faut les payer après. Ah merde. Ah ouais, faut les payer après. Bon, voilà, j'ai passé mes vendeurs. Voilà. Bon, mes amis, merci d'avoir suivi ce stream. C'était Starview. J'espère que ça vous aura plu. Que vous avez kiffé ce live, même si ça change d'habitude. C'est pas farming, encore une fois. C'est différent, bien sûr. Enfin, c'est voilà. Mais c'est ma chaîne secondaire, donc c'est normal. Ce ma chaîne principale, je fais du farming. Ce ma chaîne secondaire, bah, il y a du farming aussi. Mais je peux faire aussi autre chose, donc voilà. Merci encore une fois pour les dons. Pour le don de 500 balles. Le mec est malade. C'est un ouf, le mec. Donc voilà, merci à toi encore une fois, merci Clé Clé, n'hésitez pas à vous sub. Au passage, vous pouvez vous sub à cette chaîne, on a 3 subs sur 5, je les ai activés ce matin. Donc voilà, en plus, je n'ai même pas parlé, donc voilà, n'hésitez pas à vous sub à la chaîne, à liker ou laisser des pouces bleus, enfin comme vous voulez. Rendez-vous ce soir à partir de 20h30, soyez là, ce soir 20h30, nouveau live avec GFIT sur les éleveurs français, j'espère que ça va vous plaire. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'est Starview et Borom, à la prochaine. Et bah écoute, sinon, est-ce que Borom, j'ai géré quand même, est-ce que mon parc est quand même sympa? En vrai, ouais, pour un début, ça va. Enfin, j'ai jamais fait, mais bon, j'ai essayé de faire comme j'ai pu. Bah, en vrai, ça va, enfin, je sais pas. Ouais, même pas. En vrai, l'entrée, non, elle est pas si moche. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que c'est sympa. C'est pas si dégueu que ça. Ouais, donc, non, c'est sympa, voilà. C'est sympa. Donc voilà. Allez, bonne soirée à tous. C'était Starview. Enfin, bonne soirée. Bonne fin d'après-midi. Et rendez-vous à 20h30 pour un nouveau live. C'était Starview et Borom. À la prochaine, les gars. Allez, ciao à tout le monde. Salut, les gars. Salut.